théâtre Salty, mais pas que. Nul, lui.
Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me la met. Il est au couloir. If you remain in its zone, you will be detected by hostiles. Your location has been... Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir un an, Poppy a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant je j'ai jamais été imposteur. Car une voiture à des pneus, évitons donc de se faire écraser. Oh ben. Yeah! Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Dark 6 PS4, il avait fait un kill l'autre fois avec une putain de WhatsApp avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de... J'ai jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a des contacts. Faut que tu fasses le tour, faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax. On est les bananas. On est les animaniacs. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon coup de tour. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ah non. Quand je veux les prendre, je pense que je vais payer ou... Oh! Double citadelle! Joué. Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui 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 petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol.
Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de cette Salty Academy? Bien ou bien? Qui c'est qui est devant le campus là? Ok, Overa Gamer, le mec hyper sympa. Y'a qui? Y'a Zepsi aussi qui a visiblement décidé d'enlever le truc Overwatch qu'il y avait devant son pseudo. Très très bien, je le vois d'ici. Vic Matt aussi qui revient par ici. Wrecking the Fur, Lorzy, Shiryu. Bref. Vas-y, Shiryu, commence pas à casser les couilles. Tu restes dehors, toi. Tous les autres, vous pouvez rentrer. Lui, il reste dehors. Non, je m'en fous, il reste dehors. Non, lui, il reste dehors. Il arrive, il casse les couilles. Non, lui, il rentre pas. Lui. Les gens méchants, là, tu les fais pas rentrer. J'ai rien à foutre. Il reste dehors. Hein ? Ah, les autres, rentrez. Bon, comment ça va tout le monde sur le campus de cette SA ? Bien ou bien ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? À part Shiryu, va te faire enculer. C'est de la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination. C'est de la discrimination. Hein ? C'est de la discrimination à la connerie, donc ça va, tu vois. Nouvel opérateur, pas nouveau opérateur. J'ai mis quoi ? Parce que je voulais mettre new opérateur, mais comme vous êtes nul, nouveau opérateur. Ah, j'avoue, en plus, je voulais mettre new à la base. Opérateur. Comme ça, je fais du franglais, tout le monde est content. Voilà, impeccable. Merci infiniment, poil aux dents, pour les 5 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy et qui nous dit... Déjà 5 mois, ouais. Toujours un plaisir de passer sur tes lives, ouais. Même si je ne suis pas un joueur R6, ouais. J'y aime bien ta personnalité et écoutez la qualité ça. De tes lives. Ah ça c'est bien. Continue ça. Comme ça. Ah si tout le monde était comme ça, poil aux dents, merci infiniment pour les 5 mois, t'es un monstre poulet, vraiment, merci beaucoup. Merci Blanca TV pour les 6 mois de frais de scolarité, merci McFly pour les 3 mois de frais de scolarité, merci Mika, nouvel étudiant du campus, Kraken, nouvel étudiant du campus... Extra Thick, nouvel étudiant du campus, Liberty 27 Months. Vous êtes des monstres, les poulets et les poulettes. Ça va tout le monde? Bien. Hein? Beau t-shirt, ouais, il est un peu passé quand même. La couleur commence à... Après quelques lavages en machine, ça commence un peu à passer, mais ça lui donne un petit côté vintage. On a les viewers qu'on mérite. Je crois pas, non. Lui, je le mérite. On a les étudiants qu'on mérite. Tu vois, à la limite, là, je veux bien, ok. Là, je veux bien. Ouais, voilà. Tu bois quoi? Tu manges quoi? T'as fait bien caca? Ah yeah, la vie d'influenceur. Je bois du Contrex Green, infusion bio, thé vert, saveur citron. Est-ce que ça va mieux dans ta vie maintenant? Maintenant que tu sais ça. Maintenant que je bois de la Contrex. Hein? Voilà. C'est pour ma virilité, tout simplement. Sympa de boire son urine. Une petite analyse d'urine. T'inquiète. Ah, ça fait plaisir. C'est Man versus Wild ici, ok? Voilà. Je suis trop fort à Rainbow Six. Qui peut s'asseoir à ma table et dire que je suis... Et dire je suis meilleur que toi? Ça veut rien dire du coup, Lorxy. Ta phrase, elle veut rien dire. Relis-la bien. Merci évidemment, Overa Gamer. Oh, le monstre. Merci pour les 1 an de frais de scolarité payés au sein du campus. Poutine, mon mois des anniversaires, ça se fête. Au passage, t'es le meilleur. Oh. 4 LOVE. Un méga étudiant du campus de la Salty Academy. Il fait partie des 5 aussi méga étudiants du campus de la Salty Academy. Ceux qui payent 25 boules ou 20 boules maintenant, je crois. Salut, merci infiniment, poulet. Le proviseur, tu as regardé les vidéos de la bêta fermée de Battlefield? Non, mais merci pour les 27 points de frais de scolarité. Et quand on me parle de Battlefield, j'ai reçu un DM ce matin. Voilà. C'est tout. Je peux pas en dire plus, mais j'ai le sourire. Donc ça me fait plaisir. Hein? Donc voilà, on va en entendre parler de ce jeu. Hein? T'inquiète pas, ça fait trop longtemps que je l'attends de toute façon. Comment ça va 6-4? Ça va très très bien. Ça va très très bien. On dirait que ça t'a donné le sourire. Ah ouais, grave. Grave. J'ai trop envie d'un autre jeu, quoi. J'aimerais tellement, juste le truc, le combo parfait, ce serait tellement que Back 4 Blood soit avancé d'un mois, quoi. Ça me fait tellement chier que Back 4 Blood... Je vais pas pouvoir le saigner, jeu. Ça m'énerve. Il va sortir en même moment que Battlefield, quoi. C'est vraiment trop, trop naze, quoi. Mais bon, voilà, quoi. T'en as trop dit, balance le reste. Non, je peux pas. Après, autrement, si je balance le reste, du coup, le reste n'arrivera pas. Donc voilà, quoi. Donc, sinon, c'est secret défense, secret absolu. Voilà, quoi. Merci infiniment, Overa Gamer. Oh, le monstre. Aïe, aïe, aïe. Il continue. Tu veux vraiment être le top sub-gifter de cette chaîne ou quoi? Merci infiniment d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité ou leurs frais d'inscription au campus de cette Salty Academy. Pour GMC, pour Regit, Shoyo, LGL, Alexa, LRZ, Tri,
Lion, SWLBZ, Petit Duche et Soyose se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la grande générosité de Overrack Gamer. Merci infiniment. Envoyez plein de GG, plein de cœur, plein d'amour pour lui, s'il vous plaît. Qui régale énormément. Vraiment. On a compris, TKT, tu vas pouvoir le tester avant tout le monde. Mais chut, on n'a rien entendu. Je ne peux ni affirmer, ni contredire cette une affirmation. Donc non, je ne dirai rien. Mais je suis content, en tout cas. Il y aura du Battlefield. Ça, c'est sûr. Hein, voilà, on va bien se marrer sur Battlefield vite fait. Voilà. Ton avis sur Rosa, bah faudrait que je la teste déjà parce que je l'ai testé hier mais vite fait quoi, il y avait pas de on l'a testé en custom game puisque elle était disponible que tard dans la soirée, après j'ai cut. Donc on va tester Rosa maintenant quoi. Le problème c'est que tout le monde va vouloir la choper. Donc ça va être super relou, il va falloir se battre pour la voir quoi. Donc c'est un peu casse-couille mais voilà quoi. Non mais elle a l'air cool hein, franchement. Elle a l'air cool hein. Rosa est sur cheat. Ouais mais ouais, franchement 100% des persos qui sont sortis sur ce jeu, j'allais dire sur les dernières années, mais sur ce jeu en fait, à chaque fois qu'ils sont sortis, les gens ont dit c'est trop cheat quoi. Mais souvenez-vous d'un truc, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, écoutez bien. Imaginez si Thatcher n'avait jamais existé, ok, et si Thatcher sortait aujourd'hui. Imagine. Tu vois le truc ou pas? Tu le vois ou pas? Ah, tout le monde dirait qu'il est cheaté, quoi, en disant « Oh, toi, t'as même pas besoin de t'approcher, alors qu'avant, c'était vachement skillé, quand même, Rainbow Six, fallait faire un trou dans un mur avec un Maverick, alors que maintenant, tu balances ton Thatcher, c'est vraiment un truc pour les nuls. » Donc c'est toujours pareil, en fait, dès qu'il y a un opérateur qui sort, dès qu'il y a un truc qui sort, mais c'est pareil sur tous les MOBA, machin, truc, voilà, quoi. Hein. Bon, à part League of Legends, qui pendant des années, je sais pas s'ils font toujours la même chose, mais souvent, ils ont tendance en plus à le... Tu vois, hein, pour que tout le monde le prenne, et puis après, à le nerf un petit peu, voilà quoi. Donc voilà, c'est pas le cas la plupart du temps quand tes opérateurs, genre Flores il a pas changé par exemple, voilà. Donc ouais il est cheat mais je sais pas, à voir, je pense pas qu'elle est broken, tu vois. Le problème c'est pas d'être puissant ou pas puissant, le problème c'est d'être complètement broken pour le coup quoi. Non ça m'a l'air pas trop mal quoi, ça m'a l'air pas trop mal. Après à voir hein, ça se trouve on va l'essayer et on va s'apercevoir que c'est vraiment vraiment trop puissant en final, voilà quoi. C'est quoi le principe d'Oza? On va aller voir ça tout de suite. Oza, elle a une espèce de shield, une espèce de Mira. En fait, t'imagines, tu sais, quand Mira, elle avance avec sa Mira dans les mains, là, et elle peut se protéger avec, bah t'imagines la même chose, mais à la verticale, en gros. Donc ça lui fait une espèce de shield, et elle avance avec son truc, et elle peut le poser par terre comme un shield, un mix entre Mira et Blackbird, quoi. Qu'elle peut poser aux fenêtres, elle peut poser au truc et elle se fait sa petite installation tranquille à travers laquelle elle peut voir, etc. C'est vraiment pas mal. C'est assez puissant, mais on verra. Hein. Le problème, c'est que si tous les opérateurs sont puissants, bah après, tu dois faire un choix à un moment, quoi. On avait dit la même chose de Zero, on avait dit « Ouais, mais c'est trop cheaté !» On avait dit la même chose de tous, en fait. De Flores, quand il est sorti. Tu trouves pas que c'est trop cheaté ? Voilà. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il vaut mieux un personnage qui soit un peu trop puissant qu'un personnage qui n'apporte aucune hype en fait. Si le personnage est nul, personne n'a envie de le jouer, alors personne ne va aller sur le machin. Surtout que personne ne va revenir sur le jeu ou personne ne va... Ça va pas donner de hype en fait. Il faut qu'il soit légèrement vendeur, hein. C'est assez logique au final. Donc c'est difficile hein, de trouver un équilibre, entre un juste milieu entre intérêt... Et balance, quoi. C'est pas facile, hein, franchement. Vous en pensez quoi du nouveau patch note? Moi, j'ai pas lu le patch note, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, non, c'est bien, franchement. Je l'ai tweeté hier. J'ai dit que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une mise à jour qui ressemble vraiment à une mise à jour, quoi. J'attends beaucoup plus de Rainbow Six. J'attends beaucoup, beaucoup plus de Rainbow Six. Honnêtement, c'est pas ça qui va faire que ça va relancer la hype sur le jeu, mais le jeu va dans le bon sens, quoi. Là, en fait, on est dans une logique où... voilà, il y a des trous dans le seau et on perce les trous et on a colmaté certains trous pour faire en sorte que les joueurs qui soient sur le jeu passent un meilleur moment sur le jeu, quoi. Mais là, il faut remplir le seau, en fait, quoi, hein. Et pour remplir le seau, je pense, c'est toujours ce que je disais, moi, dans une logique. D'abord, un excellent anti-cheat. Peut-être une amélioration de la qualité des serveurs aussi, ce serait pas mal. Et puis derrière, free-to-play, voilà. Ça, ce serait vraiment bien. Ah, ce serait pas bien au final parce que ça apporterait plein de ça apporterait son lot de problèmes aussi. Mais si on veut relancer la hype sur le jeu, free to play, c'est quasiment c'est l'étape incontournable.
Merci évidemment Ravio, nouvel étudiant du campus. Merci Carlinx pour les 6 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment. Mais je pense pas que ce soit le... Je sais pas s'ils vont faire ça. Hein. Parce que la volonté d'Ubi, je crois que c'est un peu se transformer en une espèce de Netflix du jeu vidéo, quoi. Donc ils vont mettre la marque en avant, ils vont faire du... On va entendre beaucoup plus le mot Ubisoft, que les produits Rainbow Six d'Ubisoft. On entendra Ubisoft sans Rainbow Six, enfin à Rainbow Six. Donc ils vont vachement mettre leur marque en avant, je pense. Et après, ils vont vendre un package X euros par mois. Tu pourras avoir accès à tout ce catalogue de jeux, quoi. Un peu comme Netflix, quoi. Donc ce sera pas vraiment du free-to-play, au final. Hein. Ce sera compris dans l'abonnement, quoi. Je pense que c'est ce vers quoi ils vont s'orienter, hein, honnêtement. Merci infiniment, en tout cas. Ravio, nouvel étudiant. Carlang, 6 mois de frais de scolarité. Slide, qui offre la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité. Le monstre. Merci pour Flash Gaming, pour Aspinal, pour Le Barbu, pour Natix et pour Wallez qui se font tous payer leurs droits de scolarité et frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Et comme là on est sur, ouais c'est bon, on est sur Rainbow Six, n'hésitez pas pour l'exclamation de charme, vous avez le charme gratos. Merci infiniment Overa Gamer d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de plus, le monstre, de payer leurs droits de scolarité ou frais d'inscription. Pour Chloé, pour Roro, pour Max Norage, pour Mr. D et pour Emrico, qui se font tous payer leurs droits de scolarité, vous êtes des monstres. Benji, nouvel étudiant, bienvenue. Pain, demi, confiture, 2 mois de frais de scolarité. Merci, merci, merci infiniment, vraiment. Aujourd'hui, donc du coup, il y a mon père qui passe sur le campus de la Salty Academy, donc je vais pas rester trop longtemps. Voilà, donc ce sera un live plus short que d'habitude. Voilà, je vous encourage après à aller voir le Major qui doit avoir lieu aujourd'hui quand même. Enfin, je crois qu'il y a une journée aujourd'hui, non? Enfin, je pense, il y a un play day. Voilà. T'as vu le Pengu sur Twitter, le clip sur les flashs absolument OP? Non, il spam trop Pengu, je l'ai mute. Non, je rigole. Mais non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu celui-là en tout cas. Mais il en sort tellement des tweets que voilà. Pas grave, profite de ton papa, c'est l'essentiel. Ouais, grave. Ouais. Ouais. C'est aujourd'hui, c'est off. Non, aujourd'hui, c'est off. Ah, il n'y a pas de journée aujourd'hui? Ah, je savais pas ça. Comment ça se fait? Si je vais voir sur WhatsApp, est-ce que j'ai des surveillants qui m'ont tenu au courant que le Six Major n'était pas là? Non, personne me l'a dit. Qui est-ce qui aurait pu dire ça normalement? Oh putain, j'ai honte. 14h18, agent. Pour info, c'est le jour off du Major aujourd'hui. Ah, il va me tuer. Il l'a fait en plus. Bravo, agent. Je suis vraiment une merde. Normalement, ils sont censés me dire quand il y a des jours, trucs comme ça, parce que je suis pas forcément le truc. Donc voilà quoi. Merci infiniment, Overa Gamer, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de plus de payer leur droit de scolarité pour Souro, pour Wankix, pour Rewo, pour Soben et pour Pedro Lito. Merci infiniment, Overa Gamer. 20 droits de scolarité offerts. Le monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Spammez-le, s'il vous plaît. Dites-lui merci. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous faites payer vos droits de scolarité par quelqu'un d'autre, vu qu'on est sur Rainbow Six cet après-midi, il vous paye aussi vos droits de votre charme, d'accord? Donc pour l'exclamation de charme, il vous l'a payé, vous l'avez à vie. Enfin, vous l'avez jusqu'à Ubisoft, parce que Ubisoft me l'enlève, quoi. Bravo, monsieur le proviseur. Je savais pas que c'était la journée off, mec. Vraiment, je viens de le lire. 14h18, effectivement, tu l'as dit, quoi. Hein, j'étais en train de manger. Il mute en cercle et pullue en cylindre. Du coup, il est beaucoup moins fort en... Ouais, grave. Mute beaucoup moins fort. Ouais. Gros nerf de mute. Donc voilà quoi. Donc maintenant en fait quand tu poses le mute au sol devant un double mur, bah les lucarnes en fait ne sont plus protégées quoi. Ça fait un rond et comme si tu balançais un caïd. Ouais mais le caïd, le problème c'est qu'il prend sur tout le mur. Mais comme si tu balançais un caïd, mais le caïd c'est une espèce de mute en fait et qui a une range. Donc il électrifierait pas tout le mur quoi. Et tu vois le truc se propager et l'électricité s'arrêterait à certains endroits quoi. Voilà, d'ailleurs ça pourrait être marrant ça pourrait être assez sexy comme nerf de plus être dans une logique bon après bon il y a le côté logique de c'est un truc en métal donc tu l'électrifies donc tout le panel est électrifié quoi mais voilà on pourrait très bien imaginer que les corners ne sont pas électrifiés etc mais c'est dans une volonté d'accélérer encore le jeu de rendre les choses plus faciles parce que les mecs qui deny et tout c'est pas vraiment le truc le plus sexy au monde quoi. Quand tu réfléchis bien, au tout début du jeu, c'était absolument génial, tu vois. Quand les mecs mettaient des shields et tout dans chalet, ils étaient en train de défendre avec leurs petits trucs et tout, avec leur petite batterie. Ouais, je mets la batterie. Non, je pose la batterie. Non, il a remis sa thermite. Non, je pose ma thermite. Il a pris sa batterie, machin. Attends, tu lui envoies un truc et tout.
Mais pour les personnes qui sont non initiées, et en particulier les personnes qui viennent de jeux mobiles comme Call of Duty par exemple, donc des jeux assez faciles hein, d'accès à l'e-sport facile, eh bien forcément quand ils voyaient des mecs en train de poser des batteries derrière un mur, ça les faisait chier quoi. Ils ont envie de voir du headshot et du 360 no scope. Donc voilà, donc là, avec le nerf de mute, maintenant tu te fais plus chier quoi. Hein. S'il y a un mute, bon bah t'arrives, tu tapes le corner, tu mets ta Ibana, ils peuvent rien faire, ou alors c'est un peu compliqué, faudra un combo avec un kite, c'est pas le plus simple. Tu ouvres le truc, derrière tu balances une grenade, bon bah y a plus personne derrière le mur est ouvert quoi. Ça va accélérer encore un peu le jeu. C'est pas si con au final, hein. C'est pas si con quoi, hein. Voilà. En revanche, le problème, c'est que plus tu accélères le jeu, plus donc du coup tu vas jouer sur du skill et moins sur le fait de défendre des objectifs et tout. Enfin, la défense des objectifs sera pas la même. Le problème, c'est que plus tu fais ça, plus on va s'apercevoir, plus il faut que les gunfights soient purs, quoi. Et pour ça, faut éviter les problèmes du genre pick advantage, faut commencer à parler tick rate, hitbox, ce genre de trucs-là, quoi. Et je pense que la meilleure des évolutions, ce serait que tous les opérateurs viennent en 2 de vitesse, mais visiblement, ça, ils le feront jamais, je pense pas. Parce que le problème, c'est le 3 de vitesse online, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Bon, c'est plus comme avant, mais c'est quand même toujours infâme, quoi. Tu te prends toujours des pick advantage où tu te dis, il faut toujours que tu bouges, autrement, si toi tu regardes là et que le mec passe à 90, c'est le pire des pick advantage. Tu fais, mais attends, mais le mec, il a une réaction inhumaine ou c'est pas possible, quoi. Ça, c'est vraiment relou, en revanche. Ça change quoi, le nerf sur mute? Bah, ça change énormément, en fait. Vu que c'est un rond, maintenant. En fait, il peut plus nerfer, il peut plus... mute l'intégralité de deux murs devant lui quoi. Déjà il peut plus mute les trappes. Bon ça les gens le faisaient pas trop, ou le savaient pas trop. Il peut plus mute les trappes, il peut plus jammer les trappes. Et même sur un mur double ou un mur simple, il y aura toujours des petites parties du mur en haut que le cercle ne va pas couvrir quoi. Donc tu pourras comme je disais, si tu mets un jammer pour muter deux pans de mur genre tu vois, je sais pas moi les deux plus communs qu'on connaît tous sur garage chalet par exemple, tu vois, tu mets ton mute au milieu, bah les coins en haut, le rond ne va pas jusque là, donc les coins en haut ne sont pas couverts par le mute quoi. Et c'est assez impressionnant au final, c'est assez impressionnant parce que ça va accélérer énormément de jeu au final quoi, vraiment. C'est comme si Kaïd électrifiait que dans sa range en gros. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je disais, ouais. C'est comme si Kaïd n'était pas dans une logique d'électrifier un truc électrique qui électrifie tout le mur, mais qui n'électrifie que dans la range du rond qu'on voit, quoi. Donc, sauf que... Peut-être que ce sera l'évolution de Mute, hein, mais Kaïd peut balancer son truc partout, tu vois. Donc, il y a une logique de... Voilà, quoi. Alors que Mute est obligé de poser son truc au sol. Alors, peut-être que l'évolution de Mute, je pense, c'est une possibilité que... ils le mettent comme un ADS de Jaeger et qu'il puisse le poser sur un mur, par exemple. Ce serait pas déconnant, hein. En plus, je suis pas sûr que d'un point de vue dev, ce soit très compliqué, quoi. Mais s'il peut le mettre sur un mur, ça pourrait être assez sexy au final, tu vois. C'est pas déconnant, les gens s'y habitueraient assez rapidement, ils arriveraient à comprendre assez facilement que comment ça marche, tu vois. Les nouveaux joueurs seraient pas... Voilà, ce serait même plus logique au final, tu vois. Tu prends un ADS, tu peux le mettre par terre, tu peux le mettre sur un mur. Tu prends un mute, tu peux le mettre par terre, tu peux le mettre sur un mur. En soi, ça pourrait être une évolution assez logique et un buff assez logique de mute. Hein. Voilà quoi. Mais ça pareil, c'est les gens en avaient parlé il y a très longtemps. Hein. Ça date de tout début d'année. Ça. Enfin, pas tout début d'année, mais dans les premières années de mute. Quoi. En fait, on s'était rendu compte d'un truc. C'était, je m'en souviendrai tout le temps. Et ça, c'était une grosse découverte, tu vois, au tout début du jeu. C'est genre 2016, on s'était rendu compte sur Bank que quand tu voulais mettre un mute pour essayer de faire un peu des... Pour essayer de muter les mecs qui étaient au-dessus, tu vois, sur le, tu l'avais mis sur l'office, quoi, tu mettais le mute jammer sur un office, bref, tu le surélevais, le drone pouvait s'approcher du mute en passant en dessous, en fait. Et tu disais, putain, mais comment c'est possible? Et en fait, le cylindre, il ne prend qu'à partir du haut, en fait, c'est pas une espèce de truc, c'est pas bilatéral, quoi, c'est pas au-dessus et en dessous du mute jammer, non, c'est uniquement au-dessus. Donc si tu le surélèves, le mute, il peut passer en dessous, en fait, le drone peut passer en dessous, en fait, quoi. Ah. Yo Pomu. Et Fuse, ouais, Fuse c'est assez ouf quoi. Mais j'étais assez halluciné de voir que Fuse, quand on l'a essayé hier, du coup ne laisse pas de trou dans le mur. Ça aurait été pété. C'est tout con, mais ça aurait été méga pété en fait. Ça aurait été vraiment voilà. Je suis assez content au final, même si c'est pas trop réaliste, que ça rebouche le trou en fait quoi. Donc tu mets le truc et je sais plus, tu mets ton truc, il y a le,
le truc qui de l'autre côté qui balance le stuff et elle a combien de pelettes d'ailleurs mute c'est 5 3 4 je sais même pas hein. C'est 4 5 c'est 4 ou 5 c'est combien de palais là le fuse est broken surtout la dispersion des explosifs ouais j'avoue les pas broken mais le shrapnel ça c'est un ajout dans le jeu qui est un peu voilà quoi. Genre, comme on l'avait fait voir une fois, le Trix, pour aller... quand il y a un bandit qui est dans la classroom sur Oregon, c'était le truc assez ouf, ça. Genre, tu te mets dans le closet, tu prenais un mute, donc c'était le seul endroit où... un fuse. C'était le seul endroit où fuse était worse quasiment sur Oregon. Et en fait, tu montais dans le closet, le bandit était derrière son mur, derrière son T1, quasiment, en fait. Et en envoyant les pelettes en dessous, donc en faisant une espèce de douche dans la classroom, vu qu'elles rebondissent partout et qu'il y a du shrapnel, ça fait des dégâts et ça pète les batteries qui sont de l'autre côté du mur, en gros. Ça, c'était assez ouf, quand même. Le shrapnel, je suis pas fan, parce que ça rajoute un peu à côté un peu random, j'ai l'impression, mais bon, on verra. Le patch dans les drones de Twitch, je sais pas à quoi en penser, j'ai l'impression que c'est un peu un nerf. What? Comment tu peux... What? Twitch? Twitch est un gros up. Elle récupère un drone en plus. Son laser est infini. Il n'y a pas de range. Enfin, c'est insane, en fait. Tu te rends pas compte, quoi. Vous vous rendez compte que, par exemple, ça veut dire un truc tout con. Et je vais vous donner une idée, ok? Je sais pas, moi, t'es dans Coastline. Les mecs, ils ont pris le billard. Ok, très bien. Et tu t'aperçois, ton pote, par exemple, il balance une grenade et il met un mec au sol, ok? Ça voudra dire que maintenant, avec ton drone, tu vas pouvoir trickshot, en fait. Tu vas pouvoir envoyer ton drone en l'air et terminer le mec quand ton drone redescend, en fait. Il n'y a pas de range. Donc, c'est pas juste une volonté de se dire « Ok, c'est un petit char d'assaut avec un truc qui tire. » Non. Maintenant, tu vas pouvoir le balancer en l'air et en faire ce que tu veux, en fait. Tu peux le balancer en l'air et terminer un mec au sol ou péter un Jaeger qui était inaccessible en disant bah, « Vas-y, je le balance, hop, je me retourne direct. » C'est... Voilà, quoi. Et les drones sautent, en plus, quoi. Enfin, c'est un énorme buff. Et je sais pas si Twitch en avait besoin, tellement son arme... Moi, j'ai un peu du mal, en fait, dans le jeu avec les armes à cadence haute, quoi. Type SMG, et voilà, quoi. Hier, on a pris Twitch. C'était insane, sérieux, ce qu'on collait, quoi. T'as même pas besoin de mettre de headshot, sérieux. Ça envoie tellement des pruneaux, sérieux. Les mecs, à chaque fois, tu les couches, quoi. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui jouent SMG et Twitch. C'est marrant, c'est les deux opérateurs... Enfin, les deux types de trucs que j'ai jamais aimé, au final, quoi. Moi, j'aime bien la cadence d'une 5.56 ou un truc comme ça, tu vois. Mais les cadences type SMG, etc., même Mira, c'est trop, je trouve. C'est un plaisir feu. Ou alors, faudrait vraiment que ça fasse zéro dégâts, en fait. D'obliger à viser la tête, pour le coup, quoi. Un peu, je sais pas, comme l'arme de Valkyrie, peut-être. Merci, Bradry. 3 mois de frais de scolarité. 1.5, c'est fou. Merci, ouais, c'est ouf. Ouais. Merci, SkyNS, pour les 2 mois de frais de scolarité. Merci, Narek, nouvel étudiant du campus. Vous êtes des monstres. Merci beaucoup, les poulets, vraiment. Alright, bon, faut que je lance parce que, comme je vous ai dit, je resterai pas trop tard. Donc, studio. Non, il faut que j'aille sur les TTS. TTS, ouais. Et merci, La Corvette 204, nouvel étudiant, bienvenue. Welcome, bros. Vous êtes des monstres. Bon, ça va sinon ? 2 drones Twitch et un normal. Ouais, elle a 3 drones maintenant. 2 drones. Ouais, parce qu'elle a son drone de la phase de préparation qu'elle peut récupérer. C'est énorme pour le coup, hein. Vraiment. Je suis vraiment hype par Rosa, qui peut être ultra intéressante. Ouais, j'espère que je vais pouvoir la jouer, quoi. En fait, c'est ça le problème, parce que bah, tout le monde va vouloir la jouer aujourd'hui. Voilà. 3 drones, pas trop de cheat. Oh, c'est pas trop de cheat, je sais pas, mais... Non, c'est puissant, ouais. Ouais, c'est puissant. Après, c'est toujours pareil, hein. Plus il y a d'opérateurs, et plus la qualité d'un opérateur a tendance à se diluer, puisque, bah, si tu prends cet opérateur-là, bah, il va te manquer d'autres choses, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez logique. Hein. Voilà. Mets une pastille sur ton écran pour la choper. Une pastille sur mon écran ? J'ai pas compris. Par contre, vraiment, je crois qu'il y a plus de dégâts, il me semble. Il fait plus de dégâts. De quoi ? Le drone ? Ouais, avant, c'était 1 HP, je crois, un truc comme ça. Et quelqu'un m'a dit que c'était 5 HP maintenant, un truc comme ça. À voir. Son drone est comme celui de Echo ou juste... Non, il saute comme un drone basique. Après, en termes de taille et tout, j'ai pas...
Voilà quoi, faudrait regarder les vidéos Mythbuster, je sais pas, peut-être Coconut Bra va faire ce genre de truc là et tout. J'ai pas regardé si ça sautait à la même hauteur que machin. Ça fait pas le même bruit en tout cas. Je sais pas si ça saute à la même hauteur et si ça a le même cooldown, faudrait regarder. Mais ça ressemble à un drone normal en tout cas. J'ai l'impression que ça saute moins haut, mais j'ai pas trop regardé au final. Je vais l'apprendre un peu Twitch aujourd'hui quoi. En vrai Twitch sera fort mais pas OP. Ouais c'est ça, c'est très très fort et tout. Après c'est clair que Twitch, le problème c'est qu'après les gens vont pas arrêter d'en parler. Je pense qu'elle va être très très pique en ranked. C'est pas pour autant que tu vas l'avoir extrêmement pique ou très 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 souvent pique en comp en l'occurrence. J'ai l'impression que le saut est un peu plus faible. Ouais c'est l'impression que ça me donne, mais parfois ça peut être qu'une impression par rapport au bruit que ça fait, par rapport au, tu sais, ça donne une impression de lourdeur quoi. Donc je sais pas au final quoi. Yo Ziskat, ça va? Ouais ça va Imran. Attention, il y a le caps lock qui est activé. Merci Revolt pour les 4 points de scolarité. Coated, merci poulet. T'es un monstre. Vraiment, coucou. Merci. Et merci Encre TV. 27 points de frais de scolarité. Putain la vache, 27 mois quoi. Bon, vous n'êtes pas les plus gros. On a dépassé les 50 mois maintenant. Ah d'ailleurs, ça me permet de dire GG. On a dépassé les 4 millions de vues. Voilà. Sur Twitch. Donc c'est quand même assez insane. 4 millions. Voilà. Donc, j'ai vu ça hier ou avant-hier. Voilà. 4 019 175 vues exactement sur le Twitch de la Salty Academy, ce qui est pas mal. J'aime beaucoup comment tu débriefes, tu discutes avec nous à chaque début de live. Merci à toi, Six. Merci infiniment, Conix. Merci, poulet. Là, j'arrive pas à me connecter. Ouais. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo YouTube, s'il vous plaît. C'est sur 3... Ok, Kavera. Ouais, j'ai envie de commencer avec Kavera. Ça me fait super plaisir. Tellement plaisir jouer Kavera, mon opérateur préféré. J'ai dû la jouer à peu près 6 minutes, toute l'intégralité de ma vie. Oh putain, je me suis pas chauffé. Ah si, ça va le faire. J'ai l'impression que la map est beaucoup plus grande. Genre, la distance de là à là quoi, c'est... J'ai l'impression d'être passé en 162 FOV en fait, je sais pas. Il va arriver dans 3 secondes. Ça a du recoil cette merde en plus. J'aime pas jouer avec cette arme en fait. Oh, pushing kitchen behind. Ah si, je l'ai mis au sol. Je me disais quand même que je l'ai défoncé. Ça est bizarre de plus avoir le injure. Hein. Ça c'est très bien, c'est très très bien. Je me disais bien que j'avais mis une tête. Enfin, pas une tête en l'occurrence, mais... attaque. Oza, attaque. Oza, attaque. Oza, attaque. Faut que je m'en souvienne quand on va switcher en attaque que je la prenne pour le coup. Mute, du coup, on va vous faire voir pour ceux qui n'étaient pas là. Merci Overwrack Gamer pour Tommy Touron. 3 mois de frais scolarité, des monstres. N'oubliez pas, prenez sa version YT, prenez sa version YT replay aussi. Allez vous abonner à la chaîne YouTube replay de la Salty Academy des poulets. Autrement, on sortira plus de vidéos hein, en fait. Mais c'est vrai. À un moment, si ça coûte plus cher que ça ne rapporte, c'est un principe de business assez logique hein, qui fait qu'on arrêtera. Hein, tout
Du coup, elle fait quoi, la nouvelle agente? Est-ce que ça se dit une agente? On dit une agente? Non. La nouvelle agent? Oui, ça se dit. Non. Regardez les surveillants. Non. Oui. Non. Oui. Non. Peut-être. Je ne sais pas. Non. Non, je ne crois pas. Une jante, oui, mais pas une agente. Ouais, d'accord. Okay. Regardez, donc c'est ça, là. Regarde, là. Pourquoi il me fait plus... Ah, si. Avec les petits trucs bleus, maintenant. Là. Donc tout ça, c'est mort. Maintenant, en revanche, sur un panel, ça fait quoi? Est-ce qu'on peut au moins en mettre un sur un panel? Non, ça va pas jusqu'en haut. Ah, c'est la merde, en fait. C'est la merde. Oh là, je suis tellement pas chaud, je vais faire de la daube. Ouais, ça la protège bien, putain. Amazing, guys! Où je teste le nouvel opérateur. Vite. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller très vite? Comment est-ce que je peux faire? Entrée, non? Elle est où? Non! Mais nique ta mère! Can I get a new hop? Never tried it. Oh, thank you. Thanks. Et la MTK. Merci Overagamer pour Smash. Merci Poulet à Monstre, vraiment. Vous êtes des putains de monstres sur ce campus. Et là, ça plante. Des doses. Ouais. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas vu hier, du coup, ça là. Ça. Donc ça lui protège bien les pieds quand même. Hein. Mais il l'a pas posé le mec. Oh merde. Merci infiniment, Alias, pour les 10 mois de frais de scolarité. Des monstres, poulet.
bomb must be located and defused. 4LOVE, salut 6JSR, que tu vas bien, l'émoticône clignant de l'E. Thank you. Where are they? Reloading. IED active. Sweeping perimeter. One office. Attends, ça me fait pas pareil qu'avant. Ah, c'était pas comme ça hier. Oh, nice. Pour avancer, c'est parfait. Hein. Wait, I'm opening for you. Un peu dur quand même. Ouais bon je sais pas, ça me saoule en fait. Ah oh, je m'y attendais pas du tout. 90, 90, 90 behind you. C'était pas comme ça hier. Attends, faut que je le mette en quoi là? C'est hyper relou à mettre. Avant en fait en... Avant je tenais le truc. Et quand je le... Et quand je le... Quand j'arrête d'appuyer, ça le pose en fait. Faut que j'essaye Faut que j'essaye. Bon, c'est marrant en tout cas. En tout cas, ça a l'air bien protégé parce que j'ai pas pris la tête sur le mec sur la première décale là. Bon, ça protège bien et tout. Mais dans l'utilisation, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Hier, c'était pas... Enfin, quand on a testé hier, c'était pas comme ça en custom. Quand on posait le perso, c'était pas comme ça. Ouais. Il me semble que je tenais appuyé et je mettais comme ça. Si j'arrêtais d'appuyer, elle le rangeait. Sauf si j'étais accroupi ou elle le posait par terre. Moi, c'est plus simple pour moi, ça. Et ça veut dire que tu peux pas le ranger en étant accroupi. Ah, il va y avoir un problème sur je sais pas, sur l'utilisation du truc, quoi. Faut que je réessaye. C'était pas du tout naturel, en fait. Non, ou alors peut-être que je me suis pas mis en avancée, ou je sais pas pourquoi. Pourquoi c'était pas du tout comme hier. Hier, c'était pas comme ça. Et hier, c'était beaucoup plus naturel. En deux secondes, t'as compris comment ça marche. On est en attaque. Ah non. Ah, c'est assez ouf, hein. One T1 outside. Left side. Il est à gauche du T1. Oh, petit renfort. Left side on T1. And there. Oh, sorry. Ah, là, il a décalé, je pense. Ah, il a décalé. Dommage. Pas test en T-Hunt. Ah, ouais, t'as raison. C'est vrai qu'hier la T1 était désactivée en plus. Vous pouvez le tester qu'en custom, tu sais. Chelou. Chelou, chelou, chelou. Oh merde, on attaque. Ouais, je fasse une petite voix d'enfant. Vous pensez que je vais y arriver? Un truc comme ça, quoi. Hein. Petite voix d'enfant. Enfin là, c'est plutôt... Ah, désolé, ça fait 6 ans que j'attends les enfants devant la maternelle. Un truc... Il faut qu'on trouve la possibilité d'avoir une voix irrésistible qui fait qu'il me donne absolument l'opérateur. Hey. Non, ça c'est pas... Vous me dites, hein. Vous me dites... Avant, je travaillais au Bois de Boulogne. Ah,
un truc peut-être plus drone has located comme ça un peu. Et peut-être... Can I get the new op? Pas mal ça. Can I get the new op, please? Yeah, that's good, that's good. Pas c'est pas mal. On pink. 10 seconds to insertion. Watch out for that. Can I get the new op on next turn? 5 seconds to insertion. Next round. Je sais pas, ils vont penser que je suis un enfant. Du coup, il y aura l'innocence, quoi, tu vois. Ah, there is a spawn kill. Telestorm, bandit. On pink. Bomb has been located. Non, mais c'est horrible ce truc. Est-ce que lui aussi il peut pousser du coup? C'est horrible, c'est trop dur. Oh merde, ils m'ont entendu avec ma vraie voix. Attends, ça va être bon là. Oh mais nique-toi. Have a nice day, guys. Non, ça me plaît pas. Hi, guys. Yeah. I'm lost. I'm lost, actually. Never played the game. Non, 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 ça va pas le faire. Yeah. Hey guys. Ah, je sais pas, sa mère, je vais pas y arriver. Il faudrait une petite voix innocente, quoi, une petite voix gentille qui fait que la personne va absolument succomber au charme de la voix et donc me filer l'opérateur à chaque fois. Oui, c'est un plan un peu machiavélique, mais voilà quoi. Len, il est pas là, Len, avec sa petite voix là à chaque fois là. Oh. Hein, Len, ben voilà, Len, vous l'avez vu le best-of ou pas là? Il est là ou pas? Il est dans le chat? Quand il fait son... Oh, j'ai raté mon clutch! Là, t'es là, oh, t'es en train de fondre et tout. 37 ans, oh putain, merde. Oui, mais créateur de contenu. Hey, c'est déjà pas mal. Ok? On dirait Mary. La voix source est, la voix source est loin de l'innocence. Allez vous faire foutre. Regarde la dernière vidéo de Jaeger himself. Il teste la distance à laquelle le nouveau drone de Twitch et il peut tasser les trucs à 150 mètres. Seriously, j'ai vraiment envie de voir ça. Mais du coup, ça me sert à quoi d'aller voir la vidéo de Jaeger himself sachant que tu viens de me spoil le truc? Du coup, la finalité, c'est de savoir qu'il peut tasser des trucs à 150 mètres. Mais partant du principe que de toute façon, c'était marqué dans le patch note qu'il n'y avait pas de range. En fait, il n'y a pas de range. Voilà, en fait, bah voilà. C'est un railgun, quoi. Tout simplement. C'est vrai. Hello, Six 2004, t'as fait jeune... De... Non, mais j'ai pas de... Je peux pas... J'ai jamais eu une voix jeune, moi. J'ai toujours eu une voix de daron. Sophie, l'infirmière, ça devrait le faire, je pense. Il est... Et en même temps, il est écrit « Portée infinie », donc... Oui, c'est ça. Mais j'aurais dû faire une vidéo, effectivement, qui dit « Portée infinie hein. ». Allons tester... Allons tester la portée hein. Et faisons un nouveau titre. La portée du Twitch drone est abusée. 60 000 vues. Goddammit. Comment t'as commencé Rainbow Six? Pas comme tout le monde. En le téléchargeant. Ah si là. Un petit souci quand même. Eh ben non, pas moi, parce que moi je l'avais sur Xbox mon gars, donc je l'ai acheté sur CD. Merci Rush pour les 100 bits, c'est un monstre problème. Merci beaucoup vraiment. Putaclic. J'aime pas ce terme de putaclic là. C'est trop bien le putaclic honnêtement. T'as déjà regardé BFM TV dans ta vie une fois? Oui? Ok, tu regardes BFM TV? Ouais, bon alors tu pourras plus jamais parler de putaclic. Oh, c'est une émission qui est basée sur le putaclisme, le truc. Hein. We have been eliminated.
j'ai installé via une disquette. Ouais, il en faudra à mon avis plus d'une quoi. Il y avait des mecs qui s'étaient amusés à faire ça avec un jeu genre Skyrim ou je sais plus quoi. Et ils l'avaient mis sur disquette. Il fallait genre 600 disquettes pour faire l'installation. T'sais, toutes les 3 secondes, ils te demandaient de changer la disquette numéro 1, numéro 482. Le mec vient d'essayer de Zofia un mur renforcé. Non, je pense que le mec essayait de voir si effectivement il y avait un interstice entre les murs renforcés et le mur. Et le mur. Normal. Sachant que je crois il y en a un sur le T1 de Clubhouse. Je sais pas si ça a été changé depuis hier, mais j'ai vu un screen qui est passé sur Twitter où le mec le montrait justement. Je sais pas quoi prendre en défense en fait. Ouais, sur le T1. Sur le T1, maintenant en haut, ils ont remis un truc là. Donc tu peux balancer une grenade par-dessus. Apparemment, voilà, tu peux te mettre en rappel et avoir une petite ligne d'enculé. Limite, faut pas renforcer le mur en fait, parce que ça, tu vas te dire « Oh merde, j'avais pas vu qu'il était là et tout. » Faudra aller voir, mais... On va aller voir. Ouais, non, on va aller voir. Bomb location compromised. Et voilà. 10 seconds left. Et on va dehors. Down to 5 seconds. Did you see that? Reloading. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Je peux te mettre en rappel maintenant. C'est comme sur banque, comme sur café. Tu peux percuter trick et tu peux grenade trick normal comme ça. Je sais pas où ils sont, quoi. Il y en a un dans le lounge à gauche. J'ai peur du son. J'ai vraiment peur. Hier, il m'est vraiment arrivé des trucs qui m'étaient jamais arrivés. D'un round, please. C'est chiant ça, hein, de rejoindre des... Le son est normal sur R6. Alors, en fait, le truc, c'est ce que j'expliquais hier. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du son depuis des saisons et des saisons. Et honnêtement, moi, je fermais ma gueule parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème de son, au final. À part des mecs qui étaient en... Voilà, quand ils étaient accroupis, tu les entendais pas, des trucs comme ça, etc. Voilà, ça allait, quoi. Mais hier... Il y a vraiment eu des moments où même avec un mec, on en a discuté juste après, où je lui disais « Mais là, le mec, je l'entends vraiment à gauche, quoi. » Et il pré-shot dans un mur et je me dis « Il va faire le kill. » C'est logique, en fait, tu vois. Il passe la porte et le mec est à droite. Et totalement à droite.
sur banque, à un moment pareil, je remonte dans l'escalier, je balance une flash en étant sûr et certain, je me dis ok, lui il va prendre un coup de game sense, il va pas comprendre. Que dalle, je me fais totalement niquer, le mec est totalement à l'opposé de là où je l'imaginais quoi. Et ça, c'est la première fois. J'ai jamais eu de problème de son avant, jamais eu de gros problèmes de son, en mode aussi dégueulasse et aussi, aussi clair quoi. C'était pas en mode, attends, est-ce que je l'ai vraiment entendu à gauche? Est-ce que le mur était pété? Ce qui a fait que le son, le tunnel de son passait pas au bon endroit? Ce genre de truc là quoi. Non, il y avait pas de doute. Je l'ai entendu à un endroit, il était à l'autre. Il y a un moment où j'ai même regardé, comment dire, j'ai regardé mon casque pour savoir si, oui ou non, je regardais, enfin, je l'avais du bon côté quoi. C'est dingue. Attention, c'est un ban instant, toi. Il y a quelqu'un qui vient de prendre un ban instant dans le chat. J'insiste sur un truc, un règlement propre au campus de la Salty Academy, parce que c'est arrivé hier sur un étudiant. Aucun lien entre le jeu, le chat du jeu et le chat Twitch. Aucun lien. Pas de désolé pour la défaite, même pas un GG, d'accord? Si vous voulez qu'on dise GG, on se dit GG in-game, ok? Mais pas de on passe sur le chat, derrière on dit GG, ou c'était moi en face, ou t'as joué contre moi, ou j'avais pas vu mais je suis tombé avec toi, ou etc etc. Ça c'est un ban instant et à vie. C'est comme ça. Ne me demandez pas les raisons, c'est une règle, elle est comme ça. Les raisons, pour ceux qui les comprennent, ils peuvent les comprendre assez facilement. Il faut qu'on se protège. Et maintenant j'ai dû élargir le truc au fait que tout lien qu'il pourrait y avoir entre le Twitch chat et un jeu, c'est mort. C'est un ban. Étudiant, pas étudiant, c'est un ban. Voilà. Et serveur de test, pas serveur de test, serveur européen, pas serveur européen, etc. Machin truc. C'est pas un problème. On peut tomber ensemble, ça c'est normal. On peut jouer ensemble. On peut tomber l'un en face de l'autre, etc. Machin truc bidule. Mais derrière, je veux pas entendre de... Il n'y a pas de lien avec le chat. Quoi. Surtout quand c'est 30 secondes après ou 10 secondes après. Si je suis en code barre, c'est que je suis en mode anonyme. Si je suis en mode anonyme, c'est qu'il y a une raison. Coastline a été rework. Ouais, ouais. Les trois maps ont été rework. Bank, Coastline et... Et laquelle d'ailleurs? Le Clubhouse. Bah, Clubhouse, on a le... Non, fallait pas trop renforcer là en revanche. Pourquoi j'ai fait une barre de nuit? Ils sont chiants là, on pourra faire du deathmatch en fait. Vraiment dans les fesses. Il est où lui? Extérieur, droite, 3, 2, 1, 0. C'est pas moi qui le tue. Il prend moi le tap. La question que je me pose, est-ce qu'ils ont décidé un jour d'arrêter de créer des nouveaux agents? Bon, je sais pas, non. Bah, c'est la création. Enfin, je sais pas. Je pense pas. Regarde League of Legends. Tu peux en avoir autant d'agents que tu veux au final. Hein. Non, vraiment.
À mon avis, le jour où ils arrêteront de créer des agences, c'est que ce sera la fin de Rainbow Six. Je pense, hein. Merci Overwrite Gamer d'avoir offert la possibilité à Epoch ces 2 mois de frais de scolarité. Merci Rush pour les 100 bits. Merci les poulets, vous êtes des monstres. Secure the bombs. Ok. Il y aura une vidéo qui sort bientôt sur point d'exclamation YT, le blond. Pour Young 6. On va sortir un peu. Vous avez pas annoncé il y a quelques années qu'il voulait faire 101 gens ? Ouais. Ouais. Mais ils avaient annoncé il y a quelques années un mode d'entraînement non plus aussi, donc bon. Donc on verra bien si ça sort ou si ça sort pas quoi, hein. C'est aussi simple que ça. Vraiment, j'ai l'impression que le vigile il a été nerf ou je sais pas. Je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il a un recoil horrible quoi. T1 maintenant pour ceux qui l'avaient pas vu aussi. Ah mes moves sont dégueulasses. Ah, j'aurais dû faire de la terroir. Ils font quoi? Ils ont aucune logique. Ah. 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 Ok, attaque. Ok. Ils ont pas l'air très bons en face. Ils ont un nerf. Ils ont nerf au début de North Star. Le recoil de Vigil? Non! Hey guys, can I get a new hope? I never tried Hoda. Where's that? Can I play Rosa, please? Enculé. Tu dors, bah ouais, mais fait merde, ok? Attendez, je vais augmenter un peu le pitch de la voix, peut-être. Ouais, c'est mieux. Là, j'ai l'air d'un enfant innocent. Ils vont me le donner. Ils vont succomber à l'innocence. Elle vaut le coup de l'acheter, Oza? Oui, et si tu utilises le code 64, tu as 10%. Non, je déconne. Je sais pas, ouais, enfin, ouais, pourquoi faut l'acheter?
J'aime pas comment ça marche en fait. 5 seconds. Voilà. You've located a bomb. Moi c'est IQ que j'aime bien maintenant là, avec son buff là. What? Ah c'est vif. Ah putain. Pardon, Maverick que j'ai. 360! Tout à l'heure, je vais encore me faire saucer, je vais dégoûter. Oh le bâtard! On s'est fait reveal par Oh le Wallach! Qui est-ce qui se fait interroger par Cavera en 2021, c'est vrai? Ne soyez pas cette personne. Il faut leur lâcher I get the new operator avec la voix du film Saw. Ah ouais, tu penses? Avec une voix hyper. Genre leur faire peur, tu penses? Et sur internet, les gens se sentent. Voilà quoi. Salut Mister Poulet. Ah putain, je peux pas l'avoir, c'est fini après, je suis vraiment trop une merde. J'aurai jamais, hein. Je vais la jouer qu'une fois dans toute la journée. Hein. Je suis stressé, j'enlève les... Ouais, je mange les ongles. Vous aussi vous rongez les ongles? Oui, c'est les gens perfectionnistes. Nice! Attends, on est en attaque, défense? Je sais même pas, vu que c'est en round casual. Là. Ah, c'est à moi là? Non, on est en attaque. Nice. Attends. Est-ce que je peux faire rentrer? C'est ça le truc. Non! Come on, guys. Can I try it? Merde, le Common Guys était absolument parfait. What do you mean, Giff? I thought you were talking to me. You are giving the operator to me. I never played her either. And this guy with this baby voice can wait. Yeah. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb. Mais là, ça fait plus femme que jeune enfant quand même. Non. Mais va te faire enculer, bordel de merde! Allez, c'est bon, j'arrête. Faut que je sorte un autre truc. J'en dis, je suis pro. Je suis joueur professionnel, il faut que je le teste. Ou je suis dev. Et s'il respecte pas mon autorité, je sais pas. Aïe aïe. J'ai quoi? J'ai Ying. Et en plus, je reprends. Je prends même pas mes opérateurs, je fais rien. Tu sais, il y a deux camions maintenant. J'ai mon Wallach qui se marre. Ah merde, la fenêtre est pas au bon endroit. Prendre son one tap derrière la voie de la bombe là. Comment
comment tu rentres du coup? Ah bah ouais, t'es obligé de faire ça du coup. Ah ouais. Putain, c'est tout un... Waouh. Waouh, le tir horizontal. Oh non. Have a nice day. Vas-y, bah c'est ma bravo en fait. C'est nul. Merci infiniment Over a Gamer pour Pop Maltuk. Pour Pop, nouvel étudiant du campus, tu lui payes ses droits de scolarité, son charme se récifte. Un monstre. Ça, ça me fait chier de pas pouvoir la tester, quoi. En revanche, et... C'est quoi son icône, en fait? Pourquoi c'est Bumblebee, son icône? Une guêpe. Mais pourquoi? Parce que Oza c'est guêpe en croate. Ah. Mais il y a pas de rapport avec le gadget en fait. C'est une guêpe, ça? N'importe quoi, c'est son shield. On dirait une bite, pardon, me banne pas. Tu trouves que ça... On dirait un phallus. Lui dites rien. Ok. Ouais, un phallus quoi, comme Wally par exemple, hein. Ça ressemble à un zboob. Lui dites rien, il est tout seul dans son monde, hein. C'est Truman Show. Merci infiniment Opi pour les 4 mois de frais de scolarité payés au sein du campus, hein. Monstre, merci poulet, vraiment. On dirait la DeLorean. Non, on dirait Bumblebee. Franchement, on dirait Bumblebee, c'est les couleurs, c'est machin, c'est le côté robotique et tout, on dirait Bumblebee. Un scarabée à la limite. Ouais, à la limite un scarabée, ouais. À la limite, je veux bien un scarabée, pourquoi pas, ouais. Mais c'est plutôt Bumblebee, le côté robotique. Les engrenages et tout. Franchement, c'est clairement ça. On dirait Wally, le petit robot. Ok. C'est la tête du petit robot dans sa vidéo de présentation. Ah. Ah. Mais c'est quoi le petit robot? Y a pas de truc là-dedans, y a pas de dessin là-dessus. C'est con qu'il n'y ait plus les vidéos de présentation quand même. Vous en souvenez ou pas, hein? Je sais pas si ça le fait toujours sur les anciens attaquants. Non, et défenseurs, non. Là, c'est vraiment con ça. Hein. Ah si. Ah putain, j'avais jamais remarqué, putain. Ah, je savais pas du tout qu'ils avaient laissé les anciens trucs, quoi. Ça, c'est cool, tu vois. Vous le saviez ou pas? Parce que moi, j'avais complètement oublié qu'elles y étaient, en fait. Keep calm. Their heart rates can be 70 to 100 beats per minute. But by the time I'm done, that number goes down to zero. Ça, c'était cool, quand même, hein. Il y a cette vidéo quand t'achètes le perso. Ouais, mais les anciens. Pas les nouveaux. On dirait 6-4 bourré, le logo de Oza. What? Moi, il n'y a pas de différence entre moi bourré et moi sobre. Non, sérieusement, je I don't lose my mind. Tu vois? D'ailleurs, pour être honnête, en ce moment, je suis sous l'emprise de l'alcool. Non, pas du tout. Merci Opi en tout cas pour les 4 mois. Ok. As a matter of fact. Ok. Gros. T'as fini la caméra qui a drop de la fenêtre et t'as eu un kid à 6-4. Ah ouais?
Non, j'ai pas vu. Au côté breton, ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Regardez, hop là, on met le truc. Derrière, on peut. Et du coup, la clash, elle peut clash à travers. Il va y avoir des combos assez insane quand même. Vas-y, en revanche, saoule pas, mec. Ouais, bah elle est toujours là. Hein. Les balles passent pas. Franchir le baba pété. Un mec au sol donne l'assistance maintenant, c'est celui qui l'a mis au sol qui récupère le kill. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool, moi j'aime bien. Moi. Franchement, ça me paraît logique en fait. Hein. What? Les claymores sont blanches? Wait, the claymore is white behind you? Viper, can you turn around please? And check the claymore behind you. Oh, it's like the laser is white and not red anymore. C'est pour les personnes C'était pour les daltoniens, non? Je me souviens, il y en avait qui s'étaient plaint que bah ils voyaient pas les lasers des claymores. Ou alors c'est le filtre sur le bouclier. Bah attends, mais du coup il y a un filtre sur son bouclier? Genre ça change des couleurs? Genre elle voit à travers des smokes? Ça change des trucs? Oh non 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 non! Yes! Yes! Allez! Le plus intéressant, c'est la PDW ou l'arme de thermite sur Rosa. Oh, je sais pas, comme t'as envie, quoi. Les deux sont bonnes, hein. Par contre, j'espère qu'ils vont améliorer les outlines, car là, c'est ridicule, c'est comme s'il y avait rien. On est d'accord, hein. We need to locate a bomb. Ouais, je pense qu'ils veulent y aller progressivement. Ils ont peur de... Ils ont peur, en fait. Yes, le TK arrive. Non. Ouais, regarde l'outline, on le voit bien sur un mec noir, on le voit bien pour le coup. Mais en fait, on le voit pas en fait. 0,156 millième de seconde. J'ai piqué l'opérateur. Nice. Oza égale guêpe, car une guêpe, ça pique. Et dans Rainbow Six, bah tu piques. Oui, alors... Bon, parfois dans la vie on sait pas ce qu'on va faire, tu vois. Oh, ils ont mis ça contre la sortie. Tu vois, on sait pas quel métier on va faire, ce qu'on va devenir, etc. Bah, mais parfois c'est bien aussi de partir d'une longue liste de métiers et d'enlever les métiers qu'on ne fera jamais. Par exemple, toi. Hein? Please, ne travaille jamais, hein, dans une boîte de jeux vidéo sur la partie lore du jeu vidéo. Hein. S'il te plaît. Mais il est là. Bonjour. Alors attends, que hold. Comment tu attaches? Bah, bête le mec derrière! En revanche, je suis en train de faire de la merde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? En fait, ils sont où? Ils sont en bas, ils sont en haut. Un gars en ping. C'est chelou, j'aime pas ça là, je n'aime pas ça. Y'a un truc qui va pas là, par rapport à hier. Là je voulais la pique instant en fait, et je suis obligé de rappuyer pour qu'elle range son truc, c'est hyper relou. Déploiement du gadget. Je la jouerai jamais si ils la remettent comme ça. Malheureusement, hier c'était bien, et aujourd'hui je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, j'aime pas. Normalement c'est là le déploiement du gadget, non?
Ah, puis ce menu, putain. C'est vraiment le truc le moins bien réussi de la. Comment tout le reste est bien, mais alors ça. Ah non, ça c'est du. Ouais, d'accord, ok. J'y ai cru. C'est dans quoi, du coup? Dans contrôle? Je sais pas, le menu me perd à mort. Je me demande, Gaël, si tu manges ton C4 de face avec le bouclier en main au parc ne casse pas et amortit les dégâts. Faudrait vous recevoir. Bon, il y a plein de mecs qui vont faire des vidéos là-dessus. De toute façon, t'inquiète. Si ça sort pas aujourd'hui, ça sort cet après-midi. Donc, regarde-le. Je pense que la réponse sera vite donnée par YouTube. Mais là, moi, je peux pas la jouer. C'est pas possible. Je peux pas avoir le gameplay. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Oh merde, j'ai toujours les barbed wire. Protect the bombs. Ouais. J'ai jamais été en avancée, moi, je crois pas. Hein. Ah non, 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 non. Donc pourquoi est-ce qu'elle est en comme ça? Non, non, non. Nope, nope, nope. Je prends, et comme si j'avais le shield là, ok, très bien. Si je suis en mesure de poser ma batterie, je lâche le bouton et ça le met. Là, je veux faire la même chose avec elle. Si je suis en train d'avancer, etc., je suis en train de maintenir. Et si je suis pas en mesure, faut pas que je rappuie dessus. Je lâche et... Comme si là j'avais un shield dans les mains en fait. Là je suis obligé d'appuyer en fait. Et après je lâche et c'est bon. Ok. Ça se ferait décale info en shield et décale kill. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ce serait trop cheat de pouvoir switch aussi vite. Ça a rien à voir avec le fait de switch aussi vite ou pas. Dans ce cas-là, si tu dois switch moins vite, tu changes la vitesse d'animation de la chose. Et tu contrains pas une personne à jouer avec des contrôles qui ne sont pas les siens. Enfin, c'est comme si sur une arme, en fait, t'étais pas en toggle et t'étais en hold, tu vois. Sur une arme, pour X ou Y raison, tu vois. Bon, c'est le cas sur le snipe de Kali, par exemple. Mais même Valorant, par exemple, sur les snipes, ont mis la possibilité de le mettre en hold. Mais du coup, t'es obligé de binder deux touches pour les différents formats de... Ces animations me sortent par les trous de nez, en revanche. Ah, la patte graphique Overwatch Fortnite, quoi. Ah. Non, c'est bon, c'est bien, merci. Pardon. C'est bon. Ça, c'est bon. Ah. C'est bon. Merci évidemment, Vital, pour les 10 mois de frais scolaires ATP au sein du campus. Et BHHH. Merci, moi, poulet. Vraiment, hâte d'avoir 18 ans pour rejoindre le staff Cœur Rouge dans pas longtemps, miam. Ok, merci, Vital Dark, pour les 10 mois de frais scolaires ATP au sein du campus. Un monstre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh.
Aïe aïe aïe. Bon, vous en pensez quoi, vous, de la nouvelle saison, du coup? Hype? Pas hype? Ils sont où les sondages, là, les surveillants, là? Et moi, je serais modérateur sur une chaîne Twitch, je ferais des sondages toutes les 3 minutes. Sérieusement, des sondages à la con, tu balances plein de sondages et tout, c'est trop drôle. Tu vois? Voilà, quoi. AK12 nerf? Oh oui, oh oui. Je pense qu'à mon avis, sur console, tu peux plus y jouer, en fait, à l'AK12, à moins que les nerfs soient pas... Les builds soient pas les mêmes sur PC et sur console, mais... Sur console, il y avait des gens qui jouaient Buck ou quoi? Non, mais sérieusement, je plaisante pas. Ça jouait Buck ou ça doit être difficile à contrôler, le recoil de Buck? Les outlines m'ont vraiment donné envie de jouer pour tester, mais très déçu par ça, du coup. Ah, genre, c'était juste les outlines qui avaient envie de te remettre sur le jeu. C'est quand même un tout petit détail, quand même, non? Franchement, les reworks ont l'air pas mal. Et les sondages, là, il arrive ou quoi? Eh, franchement, les surveillants, on va les kicker, les amis. Ah, du coup, c'est marrant de voir ce que ça donne en face. Ouais, ça se prend une tête, en fait. Buck, moi je joue pas. Légèrement déçu pour les maps. En soi, c'est très cool d'avoir 3 petits reworks, mais j'aurais préféré un gros rework. Personne n'est jamais content, de toute façon. Voilà quoi. Donc tu préfères une favela que les 3 mobs dont on est en train de parler, quoi. Ça se vaut, hein, ça se vaut, hein. Enfin, je vais remettre un C4 là-dessus. Pourquoi je prends bandit? Je joue jamais bandit, moi. Ça se vaut, hein, ça s'explique, hein. Ça make sense, hein, mais bon. Voilà, quoi. Moi, j'aimerais un peu plus de contenu. Enfin, j'aimerais les trucs, les modes entraînement, mode machin. J'aimerais des gros trucs, ça, machin, quoi. J'espère, je pense sincèrement qu'au Six Invitational, après tout le décalage, là, ils ont repris un peu le... Je pense qu'ils rattrapent un peu le Covid. En plus, ils se sont fait plein de thunes. Comme tous les éditeurs, hein, pas eux plus que d'autres. Mais ils se sont fait plein de mailles pendant le Covid, c'est normal. Donc j'espère qu'on va voir ça. J'espère qu'on va voir ça l'année prochaine. Quoi. Je pense qu'on va voir ça l'année prochaine. Déjà, d'un point de vue e-sport, tu auras la World Cup. Ça peut être sexy. Tout dépend comment ils l'amènent. C'est bizarre de ne plus avoir ce mur. Hein. Ah, c'est le problème. C'est le problème quand on tire toutes ses munes. Oh merde, il était juste là, j'ai même pas de turn, je suis trop nul. Prendre un ping. IQ is jacuzzi. A bomb has been located by Op4. Ah, c'est Zofia qui sont ingérables maintenant sur play, sinon le reste c'est easy. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, Zofia, tu prends sa batteuse du coup. Zofia, tu prends la batteuse. Bon. Oula, il tire un peu au lui. Mais les passages sur les maps et tout, non, franchement c'est pas mal quoi. Maintenant il en faut plus quoi, il faut vraiment en 2022, il faut vraiment un Six Invitational avec des grosses annonces et vraiment, et des annonces pas des mythos quoi, des annonces, des trucs qui sortent quoi. Mode entraînement, mode tournoi et un gros truc. Un gros truc, je sais pas quoi.
Moi j'aimerais trop entendre les mots free to play, anti-cheat, machin. Nouvelles armes. Non, ça c'est pas des gros trucs ça. Ça c'est des petits trucs, ça c'est du petit contenu ça. Le gameplay post-mortem a été annulé du coup ? Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi. Je sais pas. Ah merde, Oza, putain, merde. Ouais, faut jouer ça là. Ça tape bien ça. Hein. 1.5, en plus il y a tous les viseurs dessus. C'est bien. Hein. Free to play égale cheater, non ? Pour ça, je disais anti-cheat d'abord et free to play ensuite. Quoi. Anti-cheat, ils sont à fond dessus, je pense, mais ça prend du temps. Ouais, mais c'est... Le problème, il est je pense. On s'en fout de ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Ce qu'on veut, c'est que ça sorte, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plus de... On est dessus, on travaille dessus, soon TM. Ben, il faut que ça sorte, quoi. 2022, anti-cheat ou... Need to use your drone to locate a bomb. Pas forcément anti-cheat, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de façons intelligentes de contrer les cheaters et tout. Moi, je serais parano là-dessus. Hein. Franchement, je sais pas. Je demanderais des cartes d'identité à tout le monde avant de partir en ranked. En revanche, le truc des barres de vie en haut là. Vous avez vu maintenant quand on tag quelqu'un, en haut à droite, c'est sa barre de vie. Donc on peut voir la barre de vie des ennemis quoi. Je trouve ça nul à yesh. J'ai jamais vu ça. Enfin, je sais pas quel autre jeu fait ça, mais. Oh, le reload de ce truc pour moi. Drone activated. Catwalk. Là, les billes, hein. Allez, pousse dessus. Voilà, c'est bien. T'as compris. L'eau ammo. Ah bon, ça existe? Ces munitions d'une LMG. Ouais, c'est parce que je rigole. Enfin, c'est parce que ça, j'adore tirer comme un con dans des murs et tout, essayer de tenter des pré-shots et tout, machin. Voilà, quoi. Oh, putain. J'aurais pu prendre Oza. Dites-le moi aussi, merde. Vas-y, on va la reprendre, la LMG. Elle est fun. J'adore tirer dans les murs. Merci, Overa Gamer, pour Punisher. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment.
Ça dégoûte le nerf de mute. Pourquoi? Oh non, il faudra voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas plus mal, ça va accélérer un peu le jeu, quoi. Il y a trop de gens qui savaient pas faire... Ouais, ce sera plus simple. D'un autre côté, bon, faudra quand même... voilà, quand les gens vont arriver, ils vont dire « Bah, tu peux toujours ouvrir en haut à gauche. » Ah, c'est quand même un truc à savoir, quoi. Ah, les gens qui n'ont pas joué depuis un moment, qui vont revenir sur le jeu, on va leur dire « Non, mais t'es con, tu peux ouvrir dans la lucarne. » What? Ah, Ikebana. Non, mais c'est mute. Mais non, mais tu peux quand même en haut à gauche. Mais non, je t'ai dit que c'est mute. Regarde, j'ai mis mon truc. Ah non. Ça va être assez drôle quand même. Hein. Ils sont où, tu vois, je regarde même pas en fait. C'est pas tryhard sur ce genre de game. Ah, ils ont changé la position de la cam. C'est marrant ça. Ça, j'avais pas vu en revanche. Ils sont où du coup? Et vous avez vu la ligne qu'on peut se faire là? Ah, là, c'est insane. Hein. Grosse ligne de rota. Attends, on va faire attention de ne pas se faire péter. À la ligne de rota du coup qui va ça c'est le bas des escaliers en fait quoi. C'est assez ouf hein. La ligne va jusque là bas en fait. Grosse ligne. Bon après bon, faut mettre la tête du mec qui va passer, mais en deux secondes tu peux vraiment avoir un petit contrôle assez sympathique des rotations de tout ce bâtiment là vers One HP in lounge. Yeah, you got him. One main stairs. Merci également Overwrack Gamer. Oh, non mais arrête un peu. Merci pour Liona Hydra, nouvel étudiant ou étudiante du campus de la Salty Academy. Merci infiniment poulet. Là est ma mamie. Ouais, grave. Ah, mais je joue pas avec un contrôleur. Il joue avec un contrôleur ou quoi? Bah quand même, on l'a entendu à droite quand même, non? Prends Osa! Ah non, on a perdu. Salut Tarza, comment ça va? Ça va mon poulet? Merci infiniment poulet, t'es un monstre. Alright, let's go, on va voir ça. On va voir un petit peu ce que ça donne, les poulets. On va aller voir ce que ça donne. J'ai envie de la tester en terreau, du coup. Voir si je peux... voir si je peux... Voilà. Fais venir les viewers, vous êtes ouf ou quoi? Pauvre Mute, il avait rien demandé, il était pas overpowered. Oh, il était quand même puissant, c'est quand même vachement puissant Mute. Attends, faut pas déconner. Faut pas déconner. Imagine une arme avec 200 balles qui fait les mêmes dégâts que Kali et qui a la cadence de la Scorpion et qui a un recoil comme la G36C. Non, bah j'ai... Bah si, tu peux en avoir, mais ça coûte 100 euros par mois, je pense, ça, ce genre de truc-là. Ouais. Après, bon, ton compte, il dégage vite fait, mais voilà. Ou pas, d'ailleurs, mais...
ils ont pas de quoi sur mute. Maintenant, en fait, ça ne mute plus comme un cylindre. Dans un cylindre comme ça, là. Ça mute dans un cercle, un peu comme si c'était un caïd, en fait, quoi. Une espèce de sphère autour du mute. Ce qui veut dire que si tu la mets... même si tu la mets sur un mur renforcé, devant un mur renforcé, au pied d'un mur renforcé, ça mute pas l'intégralité du mur en hauteur, par exemple. La sphère est pas assez grande. Ah, quoi. Ouf, hein. Oh non. Ah ouais, IQ, faut qu'on la teste aussi. Faut qu'on la fasse voir aux gens qui étaient pas là hier. Vas-y, ça m'énerve de rejoindre des games en cours là. What you gonna do? Vas-y, bon, je laisse 30 secondes avec eux. J'arrive. L'autre il s'est tapé le mur ou c'est moi? Ils ont fait quoi avec you? Bah regarde. Maintenant quand elle... Elle peut cliquer droit et du coup ça prend tout l'écran. Et elle peut pinguer à travers les trucs. Elle peut... Là elle aurait pu appuyer sur son... sa touche de ping et ça aurait fait voir le mec, le truc à tout le monde. Quel monstre. Il a tout donné. Oh, c'est pas mal ça. À mon avis, il est par là-bas. Dans la chambre à gauche avec le petit ping, ou alors rotate dans le... dans l'office. Enfin, ça trahir du tout. Caraglace, j'avoue. Ah là par exemple ça pouvait être mute à droite, ils avaient un mute en face ou pas? Ouais ils avaient un mute et en face on voit bien qu'il y a eu des carreaux qui ont été faits. Oh la vache. Là le mute devait être posé sur le T1, il pouvait pas ouvrir et pourtant il y a eu Ibana qui a réussi à faire les trucs qu'on a vu en haut là. Voilà, elle peut Ibana maintenant dans les lucarnes, même là où la sphère est la plus grande, elle peut même Ibana en haut, ça laisse une bordure quoi. Plus simple du coup. Hop hop hop. Oh non, vas-y, petite voix ou pas hein. Vas-y, je peux pas le faire encore, merde. Hey, can I get Rosa, guys? Can I get Rosa? Never tried it. Thanks. Oh, it worked. L'escroc total. Mais je peux pas faire une voix de... Ça fait plus une voix de...
jeune femme que de garçon, de petit garçon. We need to locate a bomb. Hey. J'y arrive pas. NAMTK. Oh goddammit. What? Drone has located. Wait, what? Wait, depuis quand on peut passer en dessous? 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. You've located a bomb. Make your way to the location and defuse it. Changing mag. Chier, j'ai envie d'essayer là! Merde! Tout ça pour ça, ça arrive. Vas-y, je la reprends plus, ça me saoule. Vas-y là! Non! Quoi cette porte? Telle porte? There is one in the garage. Garage. On ping. So the diffuser is no longer in your possession. Left side, left side. À droite dans le main. Ah non? Ah cette porte là là? Ah ça c'est le rework de Globot. De Globos. Combo Oza Blackburn. Oza Blackburn montagne, mon gars. Oh, on est bien là. T'avances. Formation serrée. Le truc, c'est la Légion étrangère, quoi. La Légion romaine. La Légion, quoi. Enfin, fuck, en fait. La Légion étrangère. Fuse. Ah ouais, Fuse, faut que je vous fasse voir. Hein. Le pauvre. Ça se dit Oza ou Osa? Vous dites comment vous? Oza, Osa, 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 Osa. Ah merde, on est en défense. Ah pour une fois que j'étais réactif. Ouais, mute. Bon bah on va reprendre mute hein, pour tous ceux qui l'ont pas vu. Oza quoi, Ozeda quoi, Oza. Oza. Moi j'aime bien en revanche le fait que ce soit très facile à prononcer quoi, parce que Thunderbird, nom de dieu, tu dis quoi t'as TB, tu vois, TB quoi. Il y en a qui l'ont trouvé un petit pseudo, tu vois un truc. Ah tu me diras Tachanka c'est pareil quoi. Thunderbird, Tachanka, ouais c'est pareil. One more salty fan. Protect the bombs. Ouais, et puis l'autre truc qu'ils ont changé, c'est le petit, l'animation du jammer avec une espèce de luciole. C'est joli, hein, n'empêche. Je sais pas à quoi ça me fait penser ce truc bleu comme ça. Ah, des trucs de boîte de nuit.
Ah oui, alors du coup, ah ouais. Down to 5 seconds. On le montre. You must protect your bombs from being defused by our force. Pip 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 pip. Je sais pas si non, on peut pas, pas encore. Bientôt. Ah, ils ont fait comme le Jaeger en fait. Mais je pense qu'on pourra le mettre sur le mur. Hein. Je suis presque sûr. Hein. There is a Zofia. I mean, Nomad actually. Careful there. Go there, Lucas. Op 4 has located a bomb. You know what to do. You have been spotted. Target acquired. Cerveau parfois. Je me disais, il est pas là. C'est pas possible, il doit forcément être par là. Merci énormément Overrack Gamer d'avoir offert la possibilité à Koufourbe ses 4 mois de frais de scolarité. Merci Fit Monaco, nouvel étudiant du campus, Forgun, 20 mois de frais de scolarité. Merci les poulets et les poulettes. Vous êtes des monstres. Et des monstres. Clean. J'adore ce jeu. Kobe Bryant. Ouais non. Ouais. Faire bizarre, du coup ça va laisser des trucs entre les deux. Enfin, il doit y avoir un espèce de dark de cercle, hein, enfin un truc. Faut bien le voir dans sa tête pour l'imaginer tout de suite ce que ça va donner. Bah avec. Quand t'es de l'autre côté quoi. Quand tu prends une Ibana, tout de suite tu dis ok, il y a un mute en face, ok, je sais où c'est muté, ou je sais quelles sont les limites du mute. Il a fait ça. Op 4 located the bomb. Protect it. ADS up and running. C'est où ça? Tu vois ça? Je sais pas où c'est. C'est cuisine du coup. Je savais pas où le son était là. Ok, Jack elle pousse dans l'escalier. Friendly, last operator standing. You're exposed. Op 4 is defusing a bomb.
Putain. Il me saoule lui. On s'en fout. Mais je ne savais pas où était le son. Je n'avais aucune idée d'où était le pétage de la fenêtre. Et j'avais l'impression d'être sur Tarkov où t'es obligé de faire preuve de game sense et tu peux pas te fier au son directement en fait. Il y avait pas de trou, il y avait pas assez de trou, comment dire, dans le plancher, il y avait rien. C'est pas normal que j'ai entendu un bruit de fenêtre aussi clair en fait. Et ça ça me l'a jamais fait quoi. Et vraiment dans ma tête là, t'as vu, j'étais perdu, je me disais attends, où est-ce qu'il y a une fenêtre, où est-ce qu'il y a une vitre? On a bien entendu le bruit de la vitre, donc tout de suite je me dis ok, ça peut pas être la fenêtre baril, il y a pas de vitre dessus. Donc je me dis la seule qui doit être là, ça doit être celle qui est juste en face de moi là où je punch. Et là, surprise, la fenêtre est pas pétée. Et du coup tu te dis bah la seule qui doit être en dessous c'est celle de la fenêtre, de la fenêtre de la kitchen qui est en dessous quoi. Tu vois? Non, il y a pas de vitre kitchen. On a entendu un bruit de vitre ou pas? Bah alors ça venait d'où? Il y en a pas sur la fenêtre baril. Il y avait un bruit de vitre ou pas? Non, on est d'accord, il y en a pas. Il y avait bien un bruit de vitre qui l'accompagnait. Il y en a aucune sur Clubhouse de vitre ou pas? Les fenêtres gym. Non, les fenêtres gym n'en ont pas. Putain, je sais plus en fait. Non, il y en a pas sur Clubhouse. Elle est comme Air Ford, il me semble. Il y a une vitre. As-tu rejoué à Valo depuis? Non, pas du tout. Non, personne n'a envie de voir du Valo, mec. Je veux que tu dises, c'est dommage, mais... Les bières derrière la fenêtre. Ok, GG. Escalier, il y avait le mec en rappel. Mais non! Genre fenêtre baril, ça s'appelle ça. Mais elle a pas de vitre, et pourtant j'ai entendu un bruit de vitre, non? Non, c'était juste un bruit de barricade? Et donc dans sa. Ok. Ah, je sais pas pourquoi j'étais perdu sur ce son, quoi. Et c'est pas la première fois. Je savais pas. Je conseille plus Valo que CS si jamais un jour. Si on a. On joue. Attends. Tu conseilles plus Valo que Counter-Strike si on n'a jamais joué à un de ce genre de FPS? Ah. Bon, dans les mécaniques, les deux sont les mêmes. Après, ça dépend de ce que tu veux faire sur le jeu, tu vois. Pour faire quoi, tu vois? C'est ça la question quoi. Si t'as envie de devenir genre, je sais pas, pro player, faire de l'e-sport et tout, tout péter, les deux se valent hein. CSGO sera toujours là dans quelques années, Valorant sera toujours là dans quelques années quoi. Après, il y a toujours le côté, il y a peut-être plus de... C'est peut-être plus facile de se faire une place et un nom sur Valorant à l'heure actuelle que ça ne l'est sur CSGO, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Il y a plus de place à prendre sur Valorant à l'heure actuelle que sur CSGO. Après, si c'est juste pour jouer au jeu, je sais pas en fait, ça dépend hein. Ça dépend. Moi, je l'ai déjà dit. On en parlait hier. On a discuté pendant 2 heures avec. On discutait avec Furlex, avec KRL Stream. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment très sympa et tout. Et on en discutait. Il était en direct d'Ukraine là-bas. Et on en parlait. Et voilà quoi. Moi, je suis un enfant de CS quoi. Hein, c'est tout. Hein. C'est comme ça quoi. C'est le jeu. C'est le jeu au-dessus de tous. Il n'y a pas d'autres jeux en fait. Point. Même Rainbow Six, même s'il est là pendant 10 ans et tout ce qu'il m'a apporté, etc., ne sera jamais, jamais au-dessus de Counter-Strike. C'est pas possible. Et voilà. Karel est sympa. Ouais, Karel, il est cool. Ouais. Ouais, il a pas la langue dans sa poche, mais ouais, il est cool. Ouais. Code. Non, justement, on en parlait. Mais bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais disons que je disais, en France, il manque quand même... je suis content qu'il y ait des mecs comme Master Snekou, par exemple. Je suis content qu'il y ait des mecs aussi comme Mr. B-Boy.
Mais en France, en fait, dans le stream, dans le Twitch game, c'est soit c'est des casus, donc des gens qui ont jamais été pro ou ex-pro, tu vois, et qui ont apporté une dimension très casu aux jeux vidéo, quoi. Je sais pas, les Zerator, Domingo, enfin je sais pas s'ils ont été pro, mais je crois pas, hein, tu vois. Ou en tout cas, ils le sont plus, et c'est pas vraiment ce qu'ils mettent en avant sur leur stream, quoi. Zerator, Domingo, Mister MV, voilà, quoi. Donc tous ces streamers-là. Soit, autrement, c'est des pros qui viennent de code manette, quoi. Et c'est pas l'e-sport. Pour moi, c'est pas l'e-sport, en fait, c'est tout. Et je sais, ça fait mal. Je sais, je me mets plein de gens à dos en disant ça, etc. Mais voilà, c'est... Code, FPS, e-sport, pour moi, c'est pas ça, quoi. C'est tout, quoi. Hein? Donc, et j'aimerais bien des mecs... moi, ça, j'aimerais trop qu'en France, il y ait une espèce d'équivalent à un Dr Lupo, un Summit, tu vois. Un mec qui fait du Tarkov, qui fait du R6, qui fait des bons FPS, qui montre aux plus jeunes qu'il y a des FPS difficiles. Vraiment, quoi. Tarkov, CS, Valorant, R6, bien évidemment, R6, bien évidemment. Après, Code Warzone, c'est pas pareil. Maintenant, c'est devenu sur PC, donc ça a quand même bien changé, quoi. Mais voilà. Et toute la partie tryhard, e-sport, etc., elle s'est connue sur Twitch par Code H1Z. Enfin, ouais, pas H1Z1 sur la partie e-sport, mais Code et Fortnite, quoi. Oh. Moi, ça me désole, quoi. Ça me désole. On n'a pas attendu Twitch pour qu'il y ait des légendes du jeu vidéo, quoi. Des légendes, vraiment des putains de légendes de CS. Et pas moi, hein. Moi je dis pas ça pour moi ou eux, hein. Je dis juste un streamer, j'aurais trop aimé qu'il y ait un gros streamer qui soit à donf là-dessus, quoi. Qui soit à donf sur les gros FPS bien durs, genre un Lupo ou un Summit. Parce que c'est marrant, à l'international c'est tout l'inverse. Et je sais pas ce qui s'est passé en France pour que ça se passe comme ça, quoi. Qu'on soit en mode e-sport égale console, code, manette, FPS, quoi. What the fuck, man? What the fuck? C'était déjà... à l'époque où ce truc s'est créé, il y avait déjà des gens que tu pouvais déjà appeler des boomers, hein, qui faisaient de l'e-sport dans leur garage depuis environ 10 ans, quoi. Op 4, last operator standing. Bon, je sais pas où ils sont, désolé. À part en just chatting, du coup. Where is he? On the roof, on me. Okay. Op 4 eliminated. Mission successful. Zivou, des mecs comme ça là. Shroud, meilleur streamer US. Ouais, Shroud, tu vois. Shroud, quoi. Tu vois, des mecs qui viennent de CS, des... Je veux pas mettre les gens à dos, mais je suis obligé d'aller contre ce truc-là parce que tellement... Tellement ça me fait tellement mal au cœur de voir que sur le stream francophone, on a poussé vers ces trucs-là. Code, Fortnite égale e-sport. Et les gens ont découvert l'e-sport via ça, quoi. Je lui dis, mais mec, ça fait 15 ans que l'e-sport, ça existe. Et c'était pas sur ces jeux-là. Est-ce que c'est une attitude de boomer? C'est possible, hein, franchement. Hein, voilà. E-sport console, c'est surtout du versus fighting. Ouais, non, mais après, moi, je m'en fous du device. Je l'ai déjà dit, en fait. Juste le côté FPS manette, pour moi c'est, je l'ai déjà dit 1000 fois, FPS manette plus e-sport, c'est pas possible, c'est tout, point. C'est juste illogique, en fait. C'est juste illogique. Des mecs comme Simple, mais je suis dégoûté en France
Franchement, demande à des personnes qui partent de l'e-sport en France. Demande à des jeunes qui ont 15, 16, 17, 18 ans, etc. Je suis sûr qu'il y en a, ils savent même pas qui c'est Simple, quoi. Ils ne savent même pas qui c'est Simple. Et derrière, on va parler d'e-sport, sérieusement. Ouais, t'as vu le nouveau... Oh, mec... Non, non. Non, en fait. Bon, après, voilà, les goûts sont dans la nature, quoi. Simple, c'est un grand nom. Eh, mec, enfin... Faites un sondage. Tu verras, hein. Faites un sondage. Tu verras s'ils connaissent Simple, les gens. Et les Français, hein, franchement, même, hein, je suis même pas sûr que des mecs pourtant assez ont été pendant très très longtemps assez entre guillemets médiatisés, assez jeunes, etc. Et des mecs comme Kenny S, tu en parles à certains, ils disent c'est qui quoi, sérieusement, c'est un rappeur ou comment ça se passe? Il est là, non? J'essaie d'entendre en ce moment les bruits et tout là. Que j'aime entendre là. C'est une termite. Les sons me paraissent bizarres en même temps. Hein. Ah oui, y a personne sur site en fait. Reloading. Ne clippez pas, please. Please, 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 please. Ne clippez pas. Ne clippez pas, ne clippez pas, ne clippez pas. Bah y'a rien. Vous l'avez vu le mec sur code ou pas? Il a fait la même là. On lui demande à un moment de mettre un contrôle là-dessus. Il y a le truc qui apparaît derrière. Oh. Oh, j'aime trop. Il est mort où d'ailleurs? Il devait être là non? Ah il était là. La chatte, hein. Okay. T'as quoi comme problème avec les sports Fortnite? C'est à la manette, il me semble. C'est pas à la manette, tu veux dire? Et c'est pas un peu... un jeu facile à haut level, PS, j'y joue pas, insulte-moi pas. Non mais t'as raison. Non, non, je dis pas, j'ai pas de stricto sensu un problème avec l'e-sport de Fortnite. C'est hyper skillé Fortnite, hein, vraiment quoi. Bon après je trouve ça moche à regarder, mais bon, j'ai pas parlé de ça. Vous arrivez toujours à essayer de faire des généralités, à tirer la couette de votre côté pour essayer d'en tourner un drama. Mais l'importance des mots, les amis, hein. J'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, ça m'énerve que quand les gens parlent d'e-sport, ils se réfèrent, enfin leurs seules références sont, et c'est souvent par rapport à l'âge, Fortnite et COD. C'est pas tout à fait pareil, j'ai pas un stricto sensu un problème avec les sports de Fortnite. Je dis juste que quand on parle d'e-sport, pour moi c'est plus CS que COD et Fortnite, c'est tout. Pas tout à fait pareil. Et j'en faisais une généralité sur Twitch où je me dis j'aimerais bien que la partie tryhard
soit plus, enfin que les streamers compétiteurs machin, hein, tu vois les je sais pas moi de les Gotha, les Locklear, les j'ai pas les plus gros, tu vois, soit pas plus sur des jeux peut-être un peu de niche, il est vrai quoi. En fait, c'est, le truc, c'est qu'ils ont la possibilité, c'est que tu pourrais te dire, en fait, bah, c'est normal qu'ils soient sur ces jeux-là, puisque c'est les jeux qui ont plus de reach à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait vrai, tu vois. Seulement, on a déjà vu, en fait, ils ont un pouvoir que peu de streamers ont. Ils ont la capacité, d'attirer du monde, de créer une communauté, voire même, parfois, comme des jeux inconnus comme Among Us, de créer un énorme effet de groupe, en fait. Tu vois ? Et c'est chiant parce que tu te dis putain merde, t'as cette capacité là, mais j'aimerais qu'elle soit utilisée forcément aux fins qui vont dans mon sens, clairement on va pas se mentir. Mais que je trouve, ouais voilà, plus légitime pour X ou Y raison quoi. Ah merde! Je pensais qu'il était parti moto! Je voulais le cut. He's behind the bar. Church. Oh là là, jouer des clutches avec ça, ça doit être absolument horrible quoi. En même temps, l'autre te voit, hein, c'est pas à sens unique, donc bon, ça peut être à double tranchant aussi, tu vois. Merci absolument, Vera Gamer pour Slow, le monstre pour Sneeze, nouvel étudiant, Roms, nouvel étudiant, vous êtes des monstres les poulets, vraiment. Ah bah y'a les impacts. Je comprends pas. Hier y'avait pas les impacts. C'est peut-être quand tu tires toi-même sur ton propre bouclier que ça fait pas d'impact. Parce qu'hier y'avait pas d'impact. Merci au Vora Gamer pour Sinzlou, nouvel étudiant. Un monstre. Vous êtes des monstres. Putain de monstres. Merci beaucoup vraiment les poulets. Combien de shield? Bah hier on en avait deux. Donc je crois que toujours deux en fait. La barre de PV, est-ce qu'on peut la remettre comme avant en mode circulaire? Parce que moi, ça me perturbe plus qu'autre chose. En bas, ah ouais, ça te perturbe? Oh non, je crois pas que tu puisses changer comme avant, non. Je pense pas, non. Mais... Non, moi ça me va. Moi, je trouve ça cool, hein. Non, le nouveau HUD et tout, vraiment, 90% des changements de cette saison sont vraiment cool, quoi. Bah, j'aime pas ce menu-là, là. En plus, quitte à faire un truc... Ouais, bah non, c'est animé, quand même. Je pensais que c'était pas du tout animé, ça faisait un peu pauvre. Non, on voit même pas que c'est animé, en fait. Que ce bruit là, la Momomotus là, je sais pas pourquoi, enfin bon, bref, j'aime pas la patte graphique, mais bon, les goûts, les couleurs. Hein. J'ai hâte du prochain interh en pleine game, vraiment. Ah ouais? On pense quoi rapidement? Trop fort? Non, 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 ça me paraît pas si mal, ça me paraît bien, ça me paraît cool, comme Flores, etc. Voilà quoi. C'est. Non, parce que les impacts la défoncent instantanément. Voilà quoi. Après, non, franchement, c'est vrai que c'est cool pour des petites execs et voilà, pour avancer tranquillement, avoir cette logique de on avance et tu mets ton truc. Derrière, t'as la possibilité de voir à travers la vitre avant une exec. Elle a les smokes en plus, donc ça, c'est un peu. Ça, c'est... Peut-être que c'est... si elle doit être nerfée, je pense qu'ils lui enlèveront ses smokes, peut-être. C'est possible. Dommage que les coups de cross la pètent.
Ouais, mais bon, on a vu depuis deux jours que les coups de crosse, au final, c'est pas vraiment... Enfin, c'est souvent les impacts slash C4, quoi. Les gens le jouent plus comme ça, dans une logique de détruire le truc. Comment est-ce que tu vas mettre des coups de crosse en finale, tu vois? Mais toi-même! Mais tu mets un coup de crosse avant de pique, en fait! Ah, ça peut être à certains moments. Mais ouais, mais putain, mais c'est hyper intelligent en fait. Je pense que les coups de crosse vont plus être utilisés par la personne qui pose le shield que par la personne qui est en face. En toute logique en même temps, mais ouais, carrément. Il y a trop des moments où en fait t'as envie de le transformer en shield le truc. Et tu vas mettre un coup de crosse, tu vois. Ça va être charmé ça. T'as pas envie, t'as envie de laisser un doute sur le défenseur qui est en face. Il sait pas ce qu'il y a derrière. Ah, ça peut être intéressant ça. À la fenêtre, ouais, ça peut être vraiment intéressant au final. Oula. Ça va jouer avec l'arme de termite ou la PDW? Je sais pas, on a vu plus de PDW que d'armes de termite utilisées. Bah, elle est fun à jouer la PDW, hein. Même sur Jackal, moi je la sortais de temps en temps, quoi. Hein. C'est vraiment fun à jouer, ça envoie beaucoup de pruneaux, ça tire tout droit, c'est. C'est vraiment une arme fun, quoi. Donc je pense, mais au final, l'arme de termite, c'est viable aussi. Hein, mais je pense qu'il y aura plus de PDW, en tout cas. Hein. Je pense. En rappel inversé, ça peut être cool, ouais. Ouais, mais même partout, tu vois. Avant de partir d'un point où t'es dans une situation, je sais pas, de 1v2 ou de 2v2, 30 secondes de la fin et tout, le mec te dit « Si, je la vois, elle est juste derrière le truc et tout. » Tu mets un coup de crosse avant de te barrer. Et donc le mec ne sait plus vraiment si elle est là, elle est pas là, elle est derrière son truc ou pas quoi. Et elle représente du coup toujours un danger. Bon, enfin je sais pas. Je pense qu'il y aura des petits, je pense qu'il y aura des petites actions de temps en temps qui pourraient être un peu sexy avec ça quoi. Et maintenant il y a moins besoin de fermer ce truc là quoi. Avant t'étais obligé de jouer Castle ici. C'est vrai que maintenant depuis qu'ils ont tout fermé non, ceux qui avaient pas vu ça, à part celui-là. Du coup, même les fenêtres, on s'en fout un peu. Ah, et du coup, faut jouer encore plus à l'extérieur du jeu. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi le nerf de mute? Il peut plus nerfer l'intégralité de deux pans de mur, c'est en cylindre en fait. Donc tu le poses au sol, il va faire un rond ici comme ça, et là ça va faire... Comme ça, voilà. Et donc là tu peux... Ibana par exemple. You must protect your bombs from being defused by Op4. New feed up. Perfect, can! Oh, elle est parfaite. Oh, elle est parfaite. Impact out. Non. Personne ne renforce rien, tout le monde s'en bat les steaks. One on skylight. Non, on a rien renforcé. Oh, quel toto, je te jure. Oh, les totos. Il n'y a pas de renfort, j'avais la flemme de renforcer. Vas-y, moi, je fais deux murs. Oh, les cons. Merci infiniment, Super Anton, nouvel étudiant du campus. Un monstre. Merci, Real Shame. 6 mois de frais de scolarité, vous êtes des monstres, les poulets. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. One friendly remaining. You can do it. You're the prophet. Et ça me choque, hein. Ça, c'est le plus gros changement de la map, hein, cette musique-là. En même temps, avant, il y avait des enceintes, mais il n'y avait pas de musique quand sortait, quoi. Oula. 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 Ouf. Oh non, mais 3-1, on perd, non, mais seriously, quoi. Non. Salut, tu vas bien? Tu penses que la prochaine saison va être plutôt positive ou négative? Bah, plutôt positive.
Après, faut voir, hein, tu sais, t'es pas à l'abri qu'il y a des gros problèmes, des gros bugs, un énorme bug qui provoque un énorme glitch et ça foire tout, quoi. Mais de ce qu'on voit, pour le moment, c'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, ça annonce de belles choses pour 2022 si derrière, on a encore plus de contenu, quoi. Vraiment un truc... En fait, là, le problème, c'est que... À l'heure actuelle, en fait, tout le contenu qui est créé permet de dire aux gens qui sont déjà sur Rainbow Six, c'est vraiment cool ce qu'on propose, tu vois ? Très bien. Le vrai truc que moi j'attends, forcément, dans une logique où ça est comme ça, c'est de faire du reach, en fait, c'est d'aller atteindre des personnes qui ne jouent pas à Rainbow Six. À l'heure actuelle, aucun des changements dans le jeu, directement, ne peut ramener de nouvelles personnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les gens vont en entendre parler, ok, très bien, mais ça va pas être... bon, à part un nouvel opérateur où les gens vont vouloir le tester, parce qu'ils ont déjà le jeu la plupart du temps, mais il n'y a pas des gens qui n'ont pas le jeu qui vont se dire « Putain, la vache, ah ouais ?» Et il faut avoir ce genre de truc, en fait. Et il faudrait que ça arrive. Il faut que ça arrive. Et je pense que le seul truc qui peut faire ça, c'est... Enfin, pas le seul truc, mais le plus gros, ce serait un changement de business model. Du free-to-play. Oza, une fois la bombe plantée, ça peut être intéressant avec ses shields opaques. Ils sont pas opaques du coup. Ah oui, de les opacifier. De les opaquifier. Comment on dirait ? Oh la vache. De les rendre opaques. Ok. En combo avec une gridlock. Opacifier, ça me dirait. C'est pas mal. Avec une gridlock, ça peut vraiment être fort hein, s'il n'y a pas de C4 Kappa. Ouais. Je pense que c'était l'ancienne politique, mais ça n'a pas marché. Alors, ils misent tout sur les joueurs actuels en essayant de les garder. Tu peux pas juste miser sur une politique de... Dans un jeu vidéo, tu peux pas juste miser sur le fait de garder les joueurs que t'as, quoi. Tu vois ? Forcément, il y a une logique aussi d'aller en chercher des nouveaux, au final. Le pot est forcément percé, hein. Voilà. Opacifié, ouais, ouais, ok. Ouais, c'est opacifié. Ok, merci. Le verbe de... Oh merde, putain, on était en attaque. Oh merde, ils ont pris Twitch en plus. Apparemment, on peut drop shot avec montagne aussi. Et c'est un peu pété. Voilà, il y a un bug. On va essayer ça. Fuse. Ah, j'aurais dû faire ma petite voix. Elle marche ou pas ? Hey. Ouais, ça devrait le faire. Next round. Ils ont plus de 60 millions de joueurs, je pense qu'ils s'en foutent du reach. Ouais non, ça c'est pas connaître comment ça marche le jeu, je pense. Ils ont pas 60 millions de joueurs déjà, ils ont eu 60 millions de comptes. Voilà, 60 millions de joueurs, nope. Ouais, clairement, Vesperia. Ouais, le post-mortem, c'était clairement pour ça. Hein. C'était pour amener de nouvelles personnes. Hein. Alors, attends, on va voir. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il me l'a enlevé dans le dos ? Va viser, vigile. Tu vas aller m'attendre là, j'imagine. Padam papam. Papam. Padam papam pom 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 pom. Oh merde. Ah, j'essaie de drop shot, mais c'est dur quand même. Hein. C'est dur de faire le truc de drop shot. One in stock, guys. Oh, match point, d'accord. Ils ont voulu ramener de nouveaux joueurs. Ouais.
Tu penses jouer encore longtemps à R6? Bah tant que le jeu est là, ouais, pourquoi pas. Hein. Bah, y aura d'autres jeux, ça c'est clair. Hein. Moi je vais me mettre à Battlefield par exemple. Après il y aura pas mal de contenu sur Battlefield, ça je vous le dis tout de suite. Back 4 Blood aussi là. Là c'est parce que ça fait un an qu'il n'y a rien eu quoi. Mais l'année dernière par exemple, de mars à juillet, j'ai pas touché à R6. Hein. Y a eu 5 mois de Valorant. Donc voilà. Les joueurs Code ou Fortnite en majorité n'aiment pas Rainbow Six, trop compliqué pour les joueurs d'arcade. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Les packs! Ah oui, merde. Mais je peux pas les ouvrir, mec, y'a un problème, que veux-tu que je te dise? Bon, Open pack is not currently possible, please try again later. Bon, bah, c'est peut-être pas possible pendant la phase de test, au final, quoi. Je pense, hein. Ça doit être ça. Dropshot Monkey comme le mec des Cyclopes hier au Major. Je sais pas, j'ai pas regardé les matchs. Bon, c'est pas une généralité, Vesperia, c'est la vérité. Hein. Mais c'est logique, ils veulent pas de frustration au final, quoi. Ils veulent pas de frustration. Et ils veulent pas de frustration en fait. Valorant me prend tout mon argent avec leur skin. Ouais, leur skin sont vraiment insane. Hein. Même moi j'avais dû mettre. En 5 mois j'avais mis plus de thunes qu'en 3 ans sur R6. Sur Valorant, leurs skins sont vraiment beaux. Ouais. Avec les animations, avec le fait que le. Enfin, quand tu fasses un kill, ça change et tout. C'était vraiment hyper, hyper sexy quoi. De toute façon, je trouve la DA de Valo ultra flinguée. La DA de Valo? Ouais, bon après, on aime ou on aime pas, hein. Je peux comprendre. Hein. Surtout si tu te dis... j'en parlais avec KRL justement hier de Valorant et lui, il a pas kiffé quoi. Il est à donf sur CS et voilà, il aime pas le côté simple, les gros hitbox. Franchement, moi j'ai surkiffé. Hein. J'ai vraiment passé un super moment. Hein, voilà. J'aurais vraiment aimé que Valorant marche aussi bien qu'un COD, par exemple. Hein. C'est pas possible en France, mais j'aurais trop aimé. Hein. On aurait fait du Rainbow Six de temps en temps, bien évidemment, mais beaucoup, beaucoup moins. Y'a quoi qui a changé, non? Putain, mais le couloir est plus grand, non? Tout a été élargi, non? Et les spawn kills, tiens, ça donne quoi? Ah bah ouais, du coup, merde. What? En dessous de tes pieds là? Oh là là. L'autre il nous a fait un tir horizontal quoi. Il y a vraiment que dans CS que tu. Il y a vraiment que dans R6 que tu peux faire des tirs comme ça quoi. Bien si Lumi met le cross-platform console. Eh, je savais pas que tu pouvais spawn à gauche là. Ça j'avais pas vu en revanche. Mais c'est bien de revoir les spawn kills aussi. Bravo, il va faire le clutch. One on ping, pushing, main stairs, green stairs. Yeah, they're in front of you now. Amazing. There is no more. 1v1. You get the last one. Et on a gagné. Le jeu deviendra gratuit, tu penses? Je sais pas. Soit il deviendra gratuit, soit je pense il sera inclus dans le pack, une espèce d'abonnement peut-être. Abonnement Ubisoft machin. Ubisoft Plus. Ça existe déjà leur abonnement, non? Comment il s'appelle? Oh putain. Can I get Oza?
Guys, I never tried it. I'm your own agent. Don't worry. Can I play the new agent? Vas-y, bah nique ta... Come to daddy. I want you. Alright. Le Ubisoft Plus. Ouais, bah voilà, bah ça. Ce sera inclus dans le pack. Tu perds un truc par mois, je pense. Et puis, t'auras accès à R6, quoi. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas, en fait. Hein. Je bosse pas chez eux, j'imagine. Forcément, le prix d'un jeu est un frein à l'entrée, quoi. Hein. C'est le premier des freins, du coup. Donc, moi, j'aimerais bien le côté free-to-play, mais je sais même pas si c'est possible, avec leur volonté de faire un abonnement... Alors, ils n'ont pas intérêt à rendre le jeu gratuit, surtout avec la sortie du free-to-play X-Défiant. Pourquoi ? En quoi c'est... ça n'a rien à voir. X-Défiant. Et plus ça va, plus je... c'est vraiment le pire des noms au monde, quoi. Je sais pas quelle est la personne qui a trouvé ce nom, mais qu'est-ce que c'est nul. Ah, mais si on va mettre XD, ça fait jeune. Putain, je sais pas. Ah, je sais pas. À la limite, j'aurais rajouté un tiret entre X et Défiant. Du coup, je joue pas vraiment. Mais tout a été élargi, hein, franchement. J'ai l'impression, ou alors je sais pas, j'ai l'impression d'avoir changé de fauve, quoi. Lost contact. Were they? Ok. Je suis pas dedans. Oh mais les games sont nazes. Je demande des gens. Et c'est vrai que maintenant l'open space est beaucoup plus viable du coup, hein, comme mon site. Ça fait quand même un gros bon site, hein, putain la vache. Mais beaucoup plus viable quoi. En changeant les lamelles de sens là sur la bourse, ça c'est vraiment cool. Hein. Et puis la trappe autoroute bien sûr qui a été enlevée quoi, ça c'est vraiment bien. Je me dis putain quand même des petits changements comme ça, pourquoi ne pas l'avoir fait un truc par un truc quoi de temps en temps. Je me dis bah tiens on a enlevé la trappe, bah tiens on a changé les lamelles tu vois, dans les trucs qui auraient pu être faits déjà il y a 5 ans quoi, quand on leur disait ce bon site il est pas viable ou pas. C'est un peu chiant d'avoir attendu autant, voilà quoi. Twitch. Yes, thank you. Merci. J'avais oublié. J'avais oublié qu'il fallait qu'on teste ça aussi. Oh putain, 2-1. Ah ouais, les gens veulent juste tester Oza et S-Bar du coup. Je suis... Car cela fera de l'interconcurrence. Non. Bon déjà, ce mot n'existe pas. En marketing, on parlera de cannibalisme du coup. Et c'est deux jeux qui n'ont rien à voir. Donc non. Non. Rien à voir. Après, faut pas le sortir le même jour, ça c'est sûr, quoi. C'est pas comme si tu faisais une semaine gratuite sur X-Défiant et une semaine gratuite sur R6 et que tu les faisais coïncider la même semaine, quoi. Non, tu décides de changer totalement le business model, quoi. Donc, there's a spawn kit for you, Curry. Putain, pourquoi je passe par là du coup, ça sert plus à rien maintenant. Chaque fois que je vois des bagnoles comme ça, j'ai l'impression d'être sur Back 4 Blood, j'ai envie de looter la thune. Oh, ils ont enlevé le groupe électrogène. Donc du coup, tu peux te faire mal en sautant maintenant. Ou ils ont baissé le truc. Ah, faudra regarder ça. Ça va être intéressant de voir ça. Tu fous de ma gueule, toi ? Oh, le drapeau aussi. Four remaining.
Vous avez vu la trappe du coup? Ça, c'est assez insane. On the top of my head. Here exactly. Bah là s'il est pas là je vais être vénère quoi. Ah je l'entends là. Ah il y a... Non attends il est où? Il est pas sur site je te jure. Il y avait un mec au-dessus de ma tête. Mais non, c'est quoi le truc qu'on a entendu, le poum 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 poum, le mec au-dessus de ma tête là. Tu vois, ça c'est horrible. Un retour de bord quand on pète. Ouais, c'est possible hein. C'est possible hein. Après, il faudra voir, hein. faut voir ce que les pros en pensent. Censé lire tous les pseudos là. Nom de Dieu. Bah non en fait. Merci évidemment Ovara Gamer d'avoir offert la possibilité à 71 personnes, quasiment 100 j'imagine au total aujourd'hui. Prêt de scolarité ou inscription au campus de la Salty Academy, c'est fou. Merci infiniment Poulet, merci, c'était vraiment un putain de monstre, vraiment merci, ça me touche énormément. Merci évidemment pour Cyborg Loki. Ça va être dur. I'm Furry User à Evokia, Thomas Petitjean, Imzos, Cookie, JL Soupey, Som Carlos, Manzaro, Ryuk, Oli Lang, Descars, S60, Vince, Guillaume, Hydra, Haribo, Yoda, Itaru, Lucie, McTavish, Le Chle, Bonjouir, Sakakini, Mr. Trunks, Skylan, Frizzy McFly, Snake, Highs, Prototype, Billy the King, Solo, SK, DP, pardon, NKG Gaming, Nate 5, Je vis C, j'ai rien compris. J'essaie de comprendre à chaque fois les pseudos. XMAC, Blaz, Garzi, Ivoox, Deida, iPool, Navara, Père Blaise, Pédieu, Volfir, Gazulb, Lulux, Darkblast, ALX, MK3 Power, Kurama, Léonard, Dalmartien, Ikiko, ah c'est trop long, Slipshot Cash, attendez où, merde j'ai perdu le truc, K.O., Nono Dubando, Brakmar, Loul, Niesco, Sad Time, Chiefus, Gros Bébert, Keza QQ, Keras QQ, pardon, Splone, j'ai perdu, Wakasuka, Thomas Dest, Wellfies, Saintius, Briette Games, salut Briette, The Air One, Atto, Colonel Cookies et Nightmare. Pouh, se font tous payer leur droit de scolarité ou leur frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Et tout ça, c'est grâce à l'énorme, énorme, énorme générosité de Ovara Gamer. Envoyez plein de GG, plein de cœurs, spammez-moi ce putain de chat, s'il vous plaît, pour sa grande générosité aujourd'hui. Il a claqué 100 subs aujourd'hui quasiment, il me semble. Merci beaucoup Poulet, c'est un terrain monstre. Merci vraiment, ça me touche énormément. Et merci Kuba pour les 3 mois de frais de scolarité. Un petit dernier pour la route. Merci Poulet, t'es un monstre. Merci beaucoup. Arrêtez ça, vous allez nous abîmer le proviseur. Non, ça ira, t'inquiète. J'ai une bonne résistance au stress quand il s'agit de gagner ma vie. C'est vrai quoi, hein, que voulez-vous que je vous dise. Salut 6-4, je sais pas si t'as vu, mais ils ont enlevé les points quand tu injures un mec à droite. Ouais, si, on a vu hier. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Mais bon, quand t'étais habitué aux compètes, de toute façon, tu vois ce que je veux dire, ils te le mettent en... Tu te mets en HUD Pro League, hein, tu l'as pas ce genre de truc, quoi. Voilà, quoi. Donc, on l'a gardé pendant 5 ans en match, en se disant, est-ce qu'on s'habitue pour les matchs de Pro League? Ou est-ce qu'on l'enlève en ranked? Mais en ranked, ça sert trop, tu balances une grenade et tout, voilà quoi. Puis il y a trop de fois où tu piques et tu sais pas si tu kills le mec. Tout à l'heure avec la Twitch, là, c'était ça. Hein. Je savais pas si je l'avais mis au sol, quoi. Mais je me suis dit, j'étais dessus, j'ai envoyé pas mal de pruneaux. Ça repique pas derrière, il y a des chances qu'elle soit au sol. Donc il y a vraiment des moments de doute, quoi. Alors qu'avant, quand t'avais le injure, c'était... Non, c'est très bien qu'il l'ait enlevé. Que penses-tu d'un troisième ban d'agent? Pff, rien. Je suis pas assez la méta à l'heure actuelle pour donner un avis là-dessus.
Dans tous les cas, tu vois en haut à droite au niveau des opérateurs identifiés. Ah ouais? Non. Ah ouais? Ah oui, s'il est identifié, du coup, tu vois qu'il est à 0 HP. Ouais, mais faut faire gaffe, quoi. S'il prend un doc ou il se rapproche d'un... d'un truc de TB, là. Voilà, quoi. Ouais, mais maintenant, on voit des HP des adversaires, donc on sait quand même s'ils sont down ou pas. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une information qu'il faut aller chercher à un endroit auquel t'avais pas l'habitude... Enfin, où t'avais pas l'habitude d'aller, en fait, quoi. Où t'avais pas l'habitude de regarder. À voir, quoi. Salut Mickey, salut tout le monde. Alright. Blue bar. On va jouer quoi, Mélusie? Let's go. Maintenant, c'est OP. Si t'as des impacts et que le mec est low, tu peux faire des kills faciles. Ouais, hein. Enfin, moi, le truc de, des HP en haut, j'aime pas du tout. Vraiment, là, c'est vraiment le... C'est vraiment le, la compétition pour les nuls, quoi. C'est, j'aime pas. Donc je sais pas d'où est-ce que ça vient, où est-ce qu'ils se sont dit que ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas. Faudrait voir ce que les pros en pensent. Moi ça me plaît pas du tout, perso. Ça, ça remplace toujours ce côté un peu... Après je sais pas si en Pro League ils le mettront... Si c'est que en Ranked ou dans le jeu, bon ça va quoi. Oh le spam. Merci infiniment Mickey pour les 4 mois, t'es un monstre. Et merci OverrideGamer, t'es un putain de monstre. Protect the bombs. Quelle map qui a changé le plus? Banque ou Clubhouse? Ou Coastline? Je sais pas en fait. Non, franchement, elles ont tout leur lot de trucs. Hein. Le VIP est quand même un gros changement. La réorientation là sur le... En fait, en termes de taille, voilà quoi. Mais ça, ça c'est quand même un énorme changement. Hein. Attends, elle a plus C4 ou... C'est moi qui ai fait de la merde. One is getting in Shisha already. Vite rentrer, vite décéder. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Il vient d'où ce bruit? J'entends un truc en vert ici quoi. Donc je sais pas si c'est la fenêtre qui est là. Ou si c'est bien sûr celle-là quoi. Ça peut pas être celle-là parce que la Amaru est rentrée par là. Là je comprends pas parfois, il y a des trucs... Aïe aïe aïe. There is a guy outside here. Non, don't, stop, 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 stop. On a balancé l'impact ici. Je l'entends, le tunnel de son vient de passer par là. Là, clairement. Là, j'ai balancé l'impact ici. Et le tunnel de son, le son, est passé par ici. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait un trou de rota, tu vois. Je savais, en revanche, avec le son que je l'entends là, quoi. Donc je me dis, il doit y avoir un trou de rota. C'est assez logique en même temps, mais je savais où était le trou de rota avant de le regarder parce que... Et, machin. Et le bruit de l'impact n'est même pas venu vers moi directement, quoi. Donc il y a quand même des bugs. C'est à cause du son, ça. Ah, je la vois... Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Je la vois pas où est là, en fait. Ah, oh. C'est pas de ma faute, hein.
Oh, I'm so sorry. I didn't even try to kill you. Clean shot. Je sais pas. Parfois, je réfléchis pas. Quand je suis en train de vous parler, je réfléchis pas. Tu sais, je mets des petits one-tap à gauche, à droite, je m'amuse, quoi. Aïe, aïe, aïe. I'm so sorry. Il a repris Clash, donc ça va, il va pas me dégâts. Protect the bombs. Pengu a tweet un gros bug de son sur Club dans une certaine pièce. Tu entends tous les bruits de la map. Mais c'est horrible, mec. Mais moi, j'ai jamais connu ça. Pengu, c'est pas la première saison qui se plaint. Bon, Pengu, c'est quelqu'un qui se plaint, alors que moi, rarement, au final. Beaucoup trop sympa, tu vois. Alors bon, lui, c'est quand même un bon gros coup de bulle. Mais non, je rigole. Mais lui, c'est pas la première fois qu'il se plaint sur du son, tu vois. C'est pas la première fois. Moi, c'est la première saison, réellement, que je me plains sur le son. Voilà. Ah, ça a changé. Okay. Non, sérieusement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais eu de problème de son comme ça, où je suis perdu sur ce que je viens d'entendre. Jamais, 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 jamais ça m'a fait ça. Jamais. Hier, j'ai regardé si j'ai... À un moment, j'ai pris mon fil, j'ai fait ça, pour être sûr que ça, c'est l'écouteur gauche, quoi. Pourquoi je fais ça? Ne vous refaites pas chez vous, ça sert à rien. Non, non, non. Non, vas-y, mais H qui reste sur les ruines, mais c'est quoi cet énorme fils? Mon père aussi, passé un certain âge, a eu des problèmes de son. Et ta mère ! Ah, ta mère ! Non, 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 je vous le dis, je vous jure. Ok, what? Ah ouais, what? Attends, attends, ça a pas déployé tout son full shield? Ou alors c'est parce que c'est un bug de spectateur mode? Hey, K-Cass, can you, do you have a microphone, bro? Alibi, do you have a microphone? Alibi? Alibi, tienes un micrófono? Wesh, frère, t'as un micro ou... Je aimerais savoir si lui voit la même chose que nous, là. Ah, bah non, il va tirer là, donc il voit la même chose que nous. Pourquoi il est pas déployé son truc? C'est une big window, c'est pour ça. Et alors? Ça prend pas toute la grande fenêtre, mais ça se déploie pas non plus sur le côté. Et quand tu la poses, du coup, t'es obligé d'être au milieu comme un con, en laissant ton épaule gauche et droite où il la met dans un coin, dans une lucarne. J'ai pas vu si elle était dans la lucarne. Ça prend la place d'une fenêtre. Mais non, ça prend pas la place. Ça prend pas la place d'une fenêtre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est normal, il est déployé par le haut vu qu'elle l'a posé en rappel à l'envers. Oui, et. Plus qu'à essayer, ouais, t'as raison. Oh non. Hey guys, can I get the. Can you up? Please. Thanks. I'd like to try Osa. Mais on dirait une jeune femme, ça fait pas jeune homme. Ça fait pas petite voix innocente. Ça fait juste femme au final.
faudrait une petite voix innocente. Il faudrait la voix de laine. Il faudrait que j'enregistre la voix de laine. Je lui demanderai de faire des trucs. Je le mettrai sur le stream deck. Can I get a new agent? Et je pense que là, ils succombent tous. Oh. Là, un petit dernier pour la route. Salut. Maudit a cru à la flash. There is one on main. La flash. Ah, il y a une flash. Ouais, mais je pique sur ma flash, moi, mon gars, moi. Trop drôle. One on ping. Yeah, Zofia, fucker, fucker. I mean, yeah, killer. Shoot. Nice one. Cake stack, cake cast. Tu peux poser le shield dans la lucarne que tu veux sur une grande fenêtre. Ok, ok. Mais j'aimerais bien savoir, en fait, quand l'animation se fait, comment tu t'exposes. C'est ça la question. Friendly, last operator standing. Oh, mais c'est le pire viseur au monde, quoi. Je sais pas comment les gens font pour jouer avec cette belle attaque. Hein. Il est pas mauvais, en plus. Ah oui, ça fait longtemps que t'as pas joué au jeu, toi. ça fait deux saisons qu'il a pas joué, lui. Tu peux le poser tête à l'envers. Ok, tu t'exposes que quand le shield est dans les mains accroupies. Il est portable, le recul. Il est potable, le recul de l'AK. Ouais, pour. Non, enfin, il est potable. Allez, il est à droite forcément puisqu'il a balancé son C4. Ah, les gens. Bon, il a bien... Il a au moins il a pique du bon côté. Merci Tino, nouvel étudiant, bienvenue poulet. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, il est potable, faudrait l'essayer... Allez, non, j'ai cliqué dessus. Allez, bam. Bam, mon gars. Ça fait un peu trop aigu, quand même. Padam pam pam pam. Nana. Nana. We need to locate a bomb. Allez. Et là, je vais me faire un stand. Il y a une vitre ou pas là-dessus, non?
Ah si. Mais ils ont pas mis les bordures blanches. Merci infiniment, Lord Smith, nouvel étudiant. Bienvenue à toi, poulet. Non, 4 mois de scolarité, autant pour moi, poulet. T'es un monstre. Vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup. Where are they? 10 seconds to go. Personne veut me parler en fait dans le jeu alors que je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique. Where are they, motherfuckers? Oh, ouais, je peux appuyer. Okay. Ah oui, Rosa. Rosa. Ça est bizarre d'avoir un opérateur qui a un shield et. Ah oui, du coup, faut que je lâche. Genre, depuis tout à l'heure, je suis en train d'appuyer comme si c'était montagne quoi. Ils sont où en fait? Ah, faut que j'essaye. You located a bomb. Tu peux monter en rappel du coup? Ah non, tu peux pas monter en rappel avec le truc. C'est un peu bizarre. I'm pressing fire! Non, ça fallait qu'il l'enlève ça. Ça c'est trop relou ce truc là, ça sert à rien en plus. Non. Non. Oh les lignes que ça va créer. What? Qui c'est qui vient de faire un bruit là? Le son est pas bon, le son est pas bon, j'entends des trucs. J'entends des trucs que je devrais pas entendre ou avec une intensité que je devrais pas entendre, je sais pas. Ah bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Pourquoi je peux pas planter? On a pas gagné. Oh non, mais j'ai même pas eu le temps de m'amuser avec quoi. Non. Mais c'est cool quand même. Même pas faire un petit kill là-dessus, là, mettre ton petit truc et tout, voilà quoi. Merci évidemment Matt, nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi poulet. Merci Lord Smith pour les 4 ans de frais de scolarité. Des monstres, vous êtes des putains de monstres sur ce campus de la Salty Academy. N'oubliez pas de faire pour l'information YT, ça nous ferait extrêmement plaisir. Il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties récemment sur du Rainbow Six, mais pas du Rainbow Six. On est parti avec des gros streamers, et il y a Jimmy Falcon qui arrive sur la chaîne YouTube. Et ça fait plaisir. Furlex, Ligaya, la vidéo d'hier, allez la liker, allez la partager, allez la commenter. Ça nous ferait extrêmement plaisir, ok? Voilà, ça serait vraiment cool. Et aussi la chaîne replay, parce que vous étiez nombreux à la demander. Parce que bah, tout le monde ne peut pas payer les frais de scolarité au sein du campus de la Salty Academy et donc avoir accès aux VOD sur Twitch. Donc on a fait une chaîne replay YouTube avec les VOD, presque toutes, 90%. Voilà, mais il va falloir nous aider. Et pour ça, c'est pas dur. Like, commente, partage. Uh-huh. On est bon? Tu penses que des joueurs vont trouver des strats avec le new agent? Non. Je pense qu'ils vont rien faire. Ils vont jamais le... Bah si, poulet quand même, bien sûr. Si. Tu veux dire, est-ce que des joueurs, les pros vont l'utiliser après? Ouais, je pense qu'on pourrait avoir des trucs sexy avec. Hein. Ça sera pas forcément systématiquement pick. Hein. Voilà. Après, il peut y avoir un combo, un truc, une façon de l'utiliser auquel on pense pas. Et on se dit, putain, non, vraiment, utiliser ça comme ça, c'est... C'est vraiment insane quoi. La prise d'info est très forte, ouais, mais après tout dépendra de. Enfin, ça va redonner du comment dire du. Ça va. Ça. Cet opérateur up les agents à impact en fait.
Mon dieu. Friendly, last operator standing. Droite. Mais ouais, droite! Non, en revanche, on l'a entendu. Non, vous l'avez entendu? Moi, je l'ai entendu. Moi, j'ai entendu, c'est bon. Faudrait pouvoir le mettre plus en avant. Elle a de bons contenus et c'est pratique, ouais. Ouais, ouais, grave. Les fenêtres seront plus jouées. Plus ou plus? Vous m'énervez quand vous mettez plus dans le chat parce que moi, je sais pas c'est la différence du coup. Plus ou plus? C'est le problème du mot plus, en fait. Que ça peut être plus joué ou plus joué, en fait. Tu vois? En fait, on fait un distinguo à l'oral entre plus et plus. Mais à l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je me dis, bah, et en plus, ça veut juste dire à l'inverse, en fait. Ce sera plus du tout joué ou ce sera plus joué. Hein? Oh non. Oh non, vas-y. Mais non, ça me voit une voix d'enfant. Oh non, Cali. Merde, j'en ai marre, j'oublie à chaque fois. Et IQ, vas-y, j'ai oublié IQ. Et Twitch qu'on voulait prendre. Faites-moi, spammez-moi, please, à chaque fois qu'on va passer en attaque, parce que j'oublie à chaque fois, et voilà. J'ai pas suivi les nouvelles agents, il y a quoi comme un peu le counter, les impacts. Le meilleur truc pour le counter, enfin je pense l'un des meilleurs trucs pour counter le nouvel agent, c'est les impacts grenades, quoi. Tu le balances dans la tronche et BAM! Du coup, comme je le disais hier, ça va légèrement up aussi les joueurs shotgun, quoi. Que s'il y a moins d'impact et que les impacts sont gardés, parce qu'on sait qu'en face il y a une OSA ou qu'il y a le risque qu'il y ait une OSA. Donc on garde nos impacts, du coup on les utilise moins pour faire des trous de rotation et moins pour faire un setup. Du coup au final qu'est-ce qui se passe? Bah les joueurs à shotgun sont encore plus... sont un peu plus importants. Après la plupart du temps ils faisaient déjà les trous de rota. Ah c'est vrai que les nouvelles flashs c'est bizarre quand même. Mais non mais on peut pas se faire sortir par ça. T'es devant lui mec. Mais Amaru elle fait quoi? Mais non, c'est impossible d'être un Toto des îles pareil, sérieusement. Il y a Amaru qui est juste devant lui et pouvait le cut quoi. Je joue en 16ème ou 4 tiers? 4 tiers moi. Ah, on va voir ça. Ah. Ah, ok. Ah, c'est forcément une lucarne. Oh, l'animation est cool, hein, les débris et tout. Les mecs ils ont 12 C4 là. Et pourquoi est-ce que, regarde Kali, pourquoi est-ce que j'ai un truc blanc avant d'être mort en fait? Pourquoi est-ce que, regarde mes HP en haut. Pourquoi ça fait ça? J'ai l'impression que je suis pas tout à fait mort, pourquoi j'ai encore des HP quoi? C'est chelou non? Les îles, de quoi les îles? Merci Bloc Lézard pour les 24 mois de frais de scolarité, 2 ans effectivement que tu payes au sein du campus de la Salty Academy, 3 ans de follow dans 2 jours, oh c'est beau. Merci Bloc Lézard, merci pour tout ce que tu fais au campus, un monstre, merci beaucoup vraiment. C'est le... Je code avec le cul, tu penses que c'est pour ça? Come on, go. The diffuser has been recovered. Il y a les replays des sections du Young Israel sur la chaîne replay. Elle devrait arriver, Toto. Ouais. Envoyez le lien de la chaîne replay, d'ailleurs, ce serait cool. R6 Pro Settings. Tu tapes R6 Pro Settings, c'est bon, tu l'auras. Sur Google. Mais on a une commande, mais à chaque fois, je l'oublie, en fait. En 90 moi. 90 de FAF 4 tiers. Allez. Ok. Ah ça je savais pas. Ah je savais pas, ça c'est la première fois qu'on le voit ce truc là du coup.
C'est la première fois qu'on voit ça. Ok. 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 En fait, on s'en fout, quoi. Pas le multiplicateur de 106. Je l'ai jamais touché, le multiplicateur de 106. Jamais j'ai touché à ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Switch your IQ. Eh ouais, ouais. Ouais. Je suis le seul qui suis vraiment excité d'aller manger chez mes grands-parents car je sais que je vais bien manger. Non, moi je faisais pareil aussi quand j'étais plus jeune. Non, vraiment. J'avais pas envie de les voir. En plus, voilà quoi. Ma grand-mère, elle avait de la barbe. Je pense que ça vient d'elle. Hein. C'était relou quoi. Mais à chaque fois en plus, elles faisaient la même bouffe. Mais c'était bon. Elles ont toutes, elles avaient toutes les deux leur spécialité. Elles étaient belles, elles étaient mignonnes. De grand-mère. Mais bon, à chaque fois, c'est vrai que quand tu parlais des grand-mères, c'était « Oh ouais, on va trop bien manger, on va manger ça !» Le fameux gâteau de riz au caramel, t'inquiète. Ouais. Ah, j'ai bien entendu barbe. Bah ouais, vous avez pas des grand-mères qui piquent un peu, sérieux? Vous êtes trop jeunes, vous verrez, elles vont piquer à un moment. There's a wall here. Maintenant j'ai faim. Ouais, tu sais, c'est une espèce de tête de gâteau de riz. Un petit gâteau de riz là. Petit gâteau de riz avec coulis de caramel au beurre salé. Elle faisait ça super bien quoi. Elle faisait ça super bien. C'est vraiment très très bon. Elle voulait pas trop le faire, mais nous on la forçait. Parce qu'on lui disait tu le fais super bien. Du coup elle est morte du diabète. Oula. Regarde, regarde. What? Est-ce que ma grenade est vraiment restée en l'air pendant 2 secondes? Genre il y avait un Wamai en attaque? Et c'est quoi ça? Le temps de rendre les histoires magnifiques. Les mecs qui ont pas l'air ouf ouf en face de l'autre rentrée avec son petit truc et tout. T'as enroulé une percu. Ah ouais? Genre comme dans Wanted? Très bon film. Non, pas du tout. Ça, j'ai revu 8 Mile, c'est sur Netflix en ce moment. Et j'avais oublié à quel point c'était cool quand même. À voir en VO, bien évidemment. Me venez pas me parler de la VF. Ouais. Enculeur de maman. Tu vis dans une caravane ou quoi? Ah, j'aurais dû le mettre en VF, rien que pour voir ce que ça fait. VOST, bien sûr. 8000. 8000. J'ai oublié, oui. J'ai vu 8000 il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai revu 8 Mile du coup, et c'était vraiment cool. Quelle vie de ouf, quand même. Bon, après, il y a des trucs que je ne sais pas. Là, quoi, mais... Percu enroulé, ah ouais? La VF de Lupin est pas mal faite. Écoute,
écoute, soit tu rajoutes très très vite un kappa dans ce chat, soit tu vas prendre un ban. Parce que là, il y a tout qui va pas dans ce mot. La VF de Lupin, déjà. Oh, come on, stop pushing. Main stairs, blue stairs, behind you. La VF de Plus belle la vie, franchement, elle passe. Non, mais à la base, il est en français, Lupin, ou pas? Ah, franchement, j'ai regardé les 80% du premier épisode, j'ai fait, vas-y, laisse tomber. Comment est-ce qu'on peut m'avoir recommandé ça, quoi? Ah, sorry, j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment trouvé ça éclaté. Merci infiniment, Grimaldi, pour les 2 mois de frais scolarité. Merci beaucoup. Yes. Ouais, tourne en français, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, il y a un acteur FR. Ça veut dire quoi, ça? Et Léon, il est pas tourné en français, tu vois. Parce qu'il y a un acteur français que, voilà. J'ai arrêté après le premier épisode. Ah, merci, please. Oh là 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 là. Tout le monde me l'a conseillé, j'ai regardé 20 minutes, j'ai arrêté. Ah ouais, non. C'est pas possible, quoi. J'ai rien contre Marcy, hein. Mais franchement, c'était nul à yesh. Et tu dis, c'est le premier épisode, donc il y a intérêt que ce soit bon, quand même, tu vois. Impacteur. Envoie-lui une impact dans sa grande gueule. Sorry. Pardon. Arrête, je recherche une game. C'était une blague, je m'excuse auprès de toute la communauté des premiers degrés. Ah ouais, ouais, ouais. Perso, je suis enfin en train de finir Breaking Bad. C'est une très bonne série, mais clairement surcotée. Breaking Bad surcotée, mec. Non, mais non, mais non, mais non, 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 non. Bah déjà, si t'as aimé Breaking Bad, regarde Better Call Saul, hein, qui est quasiment mieux réussi même que Breaking Bad, en fait, quoi. Mais non, franchement... Oh là 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 là, franchement, dans quel monde on est en train d'aller, là? Je sais pas, quoi, mais... va falloir militer, hein. Va falloir militer. Va falloir militer pour une réintellectualisation. Hein? Une dépaupérisation intellectuelle, hein. Voilà, je vais y arriver. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, sérieusement, Agent Talia, je peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Un peu surcoté. Ah non, mais bon, c'est parce que... Non, franchement, c'est trop bien Breaking Bad. C'est vraiment bien. Je trouve Better Call Saul meilleur perso. Breaking Bad, il y a trop de moments lents. Ouais, Better Call Saul est vraiment cool, quoi. Après, c'est pareil, hein, t'sais, les gens qui sont pas vraiment dans le jeu d'acteur, etc. Et voilà, ils vont dire, ouais, on s'ennuie, etc. Mais c'est tellement profond, c'est tellement puissant. Après, je peux comprendre, hein, y en a, voilà, tous les goûts sont dans la nature, ils aiment pas l'univers un peu dark, etc. Si t'aimes Breaking Bad, après, en plus, tu peux enchaîner, comme je l'ai déjà dit, sur Ozark, qui est vraiment pas mal, quoi. Hein, Ozark, les acteurs sont... C'est vraiment bien joué. C'est vraiment très très bien joué. Après, voilà quoi. Ah, pareil, les premières saisons de tu vois, de House of Cards. Putain, c'est bon ça. C'est vraiment bon. Mais ouais, non, Lupin. Les Alpha Packs, je peux pas les ouvrir, les Alpha Packs. Ça bug. Ça bug. Non, genre vraiment en plus. Il y a des moments très longs au début dans Better Call Saul. Ouais, mais c'est justement la mise en place des personnages et tout. Mais je peux comprendre hein, qu'on n'aime pas, mais... Mais les personnes qui n'aiment pas, je leur parle plus. Aïe, aïe, aïe. Breaking Bad, Sons of Anarchy et The Office, mon top 3. Bah, Sons of Anarchy, je sais pas. J'ai regardé 4 épisodes, j'ai arrêté, quoi. Je sais pas, les gunfights me saoulaient. Je trouvais ça ridicule.
Voilà quoi. Non, non, mais... Regardez The Shield, s'il vous plaît, les amis. Regardez tous The Shield. Et venez regarder, et venez sur ce stream et me dire, c'est de la merde. C'est la meilleure série of all time. Soprano sur écoute, ouais, The Wire sur écoute. Ouais. Dexter, c'est la base. Non mais Dexter, c'est bien, tu vois, mais Dexter, c'est du même, c'est du mec Maccabi que, je sais pas, tu peux pas dire... Tu dis Dexter, c'est la base, c'est comme dire Prison Break, c'est la base, quoi, tu vois. C'est... Walking Dead, c'est la base, quoi. Ok, tu peux passer du bon temps dessus, etc., etc., mais c'est pas des trucs qui... C'est pas des trucs... voilà, ça... C'est pas S-tier, quoi, tu vois, c'est juste... entre A et B-tier, ok, je peux comprendre que t'aimes, tu vois, mais... Mais voilà, quoi. Et qu'on aime, du coup, mais... Vas-y, il est où? Ah merde, il est passé à gauche, en fait. Ah, il s'est niqué dans le truc. Best series The Shield, ils ne font jamais prendre les mecs ripoux jusqu'à l'os. C'est ouf hein. Non franchement The Shield, vraiment les amis, trouvez-le, regardez-le. Tellement bon, mais tellement bon, c'est... Alors laissez-vous, laissez-vous en plus happer par cette petite atmosphère vintage années 90, un peu VHS là. 4 tiers, oh, c'est un pur bonheur hein. C'est les personnages, la noirceur, et puis c'est un peu dans cet esprit de... Littéralement Breaking Bad, quoi. Ah merde, on va pas dire que c'est un... Il devait y avoir un mec derrière toi, mec, en fait, non? On est dans la merde, hein, je le dis. Can someone heal me, please? I'm down. Attends deux secondes, je me concentre un peu quand même. Oh, there is one in the 90. Yo, Cap, kill me. What? Qu'est-ce qu'il a dit, le truc du cul? The Boys. Ouais, j'ai pas accroché. J'aimais bien le côté un peu dérision et tout de voilà, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Pourquoi il a 110 HP? Oh, merde, mon cheat. Non, c'est les nouveaux trucs maintenant. Les persos 3 d'armure, etc. sont matérialisés sous forme de HP, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Malcolm, ma famille d'abord. Ouais, ça c'est le genre de truc. Malcolm, tout le monde dit que c'est une putain de référence, quoi. Hein. J'ai jamais regardé Malcolm. Mais bon, les Malcolm, les trucs comme ça, tu vois, je le mettrais dans le même registre qu'un... Je sais pas, moi, que, enfin, un Friends ou un The Big Bang Theory. Tu vois, ce genre de série-là, quoi. C'est pas les séries qui révolutionnent, mais c'est les séries où tu peux vraiment t'attacher aux personnages et tout. Et t'as l'impression, à la fin de la série, t'as limite envie de chialer parce que t'as l'impression qu'ils font partie de ta famille, quoi. Voilà. The Office. Ah, mais The Office, c'est excellent. La version américaine ou anglaise? J'ai pas regardé l'anglaise, hein. Parce qu'à la base, c'est anglais, je crois. La version américaine... Et c'est... Mais on en a déjà parlé, en fait. Hein. Si t'aimes The Office, c'est aussi parce que... derrière, c'est Ricky Gervais, donc... Ricky Gervais, c'est pas n'importe qui. On en parlait il y a pas très longtemps de son spectacle Humanity, qui est une bombe absolue. Excellent, il parle de Twitter, il parle de... Pff, c'est tellement drôle. Ricky Gervais, pour ceux qui voient pas, il s'était fait connaître... Enfin, il s'est fait connaître par The Office, mais... on a entendu parler là, à la remise des prix des Golden Globes il y a pas très longtemps, là, où il a taillé tout le monde. Il a taillé tout le monde. Oh, c'était tellement trash. Oh mon dieu. Ah ouais, non, franchement, Once Upon a Time in Hollywood, c'était bien, mais c'était vraiment très long quand même, hein. D'ailleurs, à la fin de la première séance, la nouvelle nana de Leonardo DiCaprio était déjà trop vieille pour lui. Que des trucs comme ça, hyper cinglant. Voilà. Aïe, aïe, aïe. The End of the Fucking World est pas mal sur Netflix aussi. Et c'est qui? C'est un... Parce que si c'est les Ricky Gervais, les Stan... Je les ai quasiment tous vus, je crois.
Mais ouais, mais du film Je ne tuerai point, tout le monde m'en a parlé et je ne sais pas si je l'ai vu en fait. À chaque fois on m'en parle et je l'ai pas vu. Regardez Punisher la série, non pas du tout. Non. C'est le mec de Walking Dead là. Enfin qu'on voit partout à chaque fois. Dès qu'il y a un rôle de bad boy, beau gosse italien, c'est lui qui s'y colle, j'ai l'impression. Il joue dans une super série. Une série vraiment que j'ai adoré et qui a pas du tout continué, qui s'appelait... ah non, je sais pas s'il est dedans. Si, je crois qu'il est dedans. Qui s'appelait Brokeback Empire. Non, ça c'est Brokeback Mountain, c'est pas tout à fait pareil. Broadwalk Empire, je crois. C'est sur Atlantic City. Voilà quoi. Vraiment excellent. J'ai jamais compris pourquoi cette série elle a pas continué, je sais pas. Ça a pas trouvé son audience, visiblement. Boardwalk Empire. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est pas trop connue cette série, mais. Oh nom de Dieu, elle était vraiment. Pardon, désolé, mais elle était vraiment bien quoi. Vas-y, je te concentre un peu quand même. Mais t'es sérieux toi? Oh non, mais dites-moi que ça bouge derrière et tout et partout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a Ona Orea, tu sais, les mecs sont les quatre sont au même endroit. Pas mal, Boardwalk Empire, mais pour l'instant, je regarde en même temps Peaky Blinders. Ouais, c'était pas mal, hein, Peaky Blinders. Hein. T'as déjà regardé Mr. Robot? Ouais, mais je. Je sais pas. Autant j'adore l'acteur, autant j'ai jamais. J'ai pas trop accroché, quoi, vraiment. Viens, on va hacker tout le truc, tu sais, le code. Le mec, il est en train de faire. Il a fait deux lignes de CSS, c'est bon, il a hacké le Pentagone, quoi. Ah, franchement. Oza Twitch AQ, ok. Nice! Vous êtes des monstres. Merci, ça c'est bon ça. Merci requin. Voilà. Tu vois comme quoi? Le lien avec. Tu vois, on le ferait pas s'il y avait 15 secondes de délai, ça. On pourrait pas. Le mettre de Watchmen. Putain, faudrait que je le revoie ce film Watchmen. C'est marrant qu'on on entende plus parler. Quand il était sorti, il était pas si mal. Il est au moins 10 ans ce film, non? Game of Thrones. Parce que c'est la meilleure série du monde et de loin. Bon, je peux pas, voilà quoi. Non, c'est quand même une putain de série. Est-ce que je dirais que c'est la meilleure? Bon, je sais pas, après, tu vois, on peut jamais établir... ça dépend vraiment des goûts de chacun. Personne va se mettre d'accord, machin, quoi. Comme on l'avait déjà vu, il y a pas mal d'experts qui considèrent que The Shield est la meilleure série of all time, quoi, tu vois. Mais bon, à l'époque, Game of Thrones n'existait pas. Donc, Game of Thrones, c'est quand même un putain de passage, tu vois. C'est un putain de moment, quoi. La fin est naze. Enfin moi j'ai pas aimé. Maintenant il y a quand même ce côté politique un peu c'est très bon hein. Que ça passe. Merci pour ces moments de ouf sur R6, j'ai beaucoup plus aimé une espèce de parce que en fait Game of Thrones ce que j'ai bien aimé on aurait dit une espèce de je sais pas de Le Seigneur des Anneaux meet House of Cards quoi. C'est cette rencontre improbable, tu vois, avec beaucoup de jeux politiques et tout, machin. Vraiment, j'ai trouvé ça cool, quoi. Enfin, vraiment, ouais. Après, alors que moi, je suis pas vraiment tout ce qui est les trucs à la Tolkien et tout, machin. Je suis pas un grand fan des genres de délire, quoi. Mais là, je sais pas, c'est quand même... C'est quand même, ça reste quand même très humain, même si bon, on parle de dragons, de trucs, de machin. Mais... Ah non, le côté politique, c'est très très bon, quoi. Et puis même, voilà, Game of Thrones, on est obligé d'en parler. Le fait de créer des héros et de tuer les héros, mais c'est quelque chose d'insane, quoi. D'insane. Je sais pas combien de séries, quand même... m'ont fait ressentir ça au début où t'as ce mec là et tu te dis bon comme d'habitude on va entendre parler de lui, ok bon ça va grandir, ça va sûrement être le héros du truc et puis what? Attends,
Il s'est vraiment fait couper la tête. Et là, tu fais what the fuck. Enfin, moi, je me souviens de ma réaction. J'ai fait waouh. Il y avait un truc pas commun, quoi. On venait de casser un code, tu vois. On venait de casser un code. Et j'ai trouvé ça génial. Ah. One friendly operator remaining. Comment c'est pas une tête, ça, enculé? Comment c'est pas une tête? Allez, décale lentement, on t'entend, là. Oh, les bâtards. Comment c'est pas une tête, ce truc? On est d'accord ou quoi? T'as shooté son bras. Oui, son bras. Oui, le bras avec un nez et deux yeux. Et une petite barbe sur le côté. Un petit béret rouge. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, ouais, son bras, ouais. Le bras de sa tête, quoi. Le visage du coude. Mon Dieu. Remember Fox Mulder? Bien sûr. The truth is out there. Is nowhere? Is out there? Je sais même plus. La vérité est ailleurs. Is somewhere. Is... On s'en fout. Is everywhere. C'est quoi déjà? Ah merde! Non! Non! Oui, Twitch. Bien vu. Ah mais... recruter requin, là. Merci évidemment au Subcorp pour les 11 mois de frais de scolarité. Malabar, 3 mois de frais de scolarité. Lucas, 17 mois de frais de scolarité. Merci les poulets. C'est vous les monstres. Vraiment. Vous êtes des putains de monstres. Le bras, j'ai beaucoup de gens et au niveau de la tête sur le nez. Ouais. Le béret sur l'épaule comme pour amortir la mitrailleuse, c'est exactement ça. Allez, tout fif, à chaque fois il va nous faire ses vieilles références de l'armée là. À chaque fois, comme en 40, mon gars, on bouffait de la ration. Tu te souviens, toi, t'as connu la ration? La ration, il y avait des paquets de cigarettes avant dedans. Et moi j'ai connu ça, mon gars. Moi j'ai connu les rations de combat, mon gars, il y avait des paquets de cigarettes. Et maintenant on essaie de nous casser les couilles. Tout ça parce qu'on est entouré d'une bande de putains de. Et on a que du chocolat maintenant et des trucs Weight Watchers dans les rations de combat alors qu'avant on avait des. Your drone has found a bomb. Ah, le bon gros Milouf. À chaque fois. C'est le genre de truc là, combien de fois je l'ai entendu, tu sais, sur les. Quand tu pars dans les camps, là, machin. Aïe, aïe, aïe. Tous les sergents qui sont là depuis 40 ans et tout. Ouais. Et à l'époque, nous, on avait des paquets de cigarettes, mon gars. Ouais, et à l'époque... Oui, ok. Mais à l'époque... Oui. Mais à l'époque, vous étiez aussi obèse ou pas? Non, parce que c'est les paquets de clopes. Non, c'est pas vrai, je disais pas ça tout. The user is no longer in your possession. Benigi! Mais non! Mais le mec, non! Non! En fait, je dis non. Hein? Teste ton drone au cas où avant de mourir. Ah ouais, le drone de Twitch! Ah oui, j'avais oublié. Merde.
Discat, quel est ton club de football préféré? Le FC Nantes Atlantique. Oh, ça fait bizarre ce setup. Ouais, j'avais pas vu, j'imaginais pas ça, c'est cool. Le FC Nantes. Moi, je suis pour les Canaries. Moi. Ouais, ouais. C'est mon petit côté social. Ouh, oh, le réflexe. Oh mon dieu. Is that joystick? Le FC Nantes. Non, vous foutez pas de ma gueule, vous allez prendre un ban. Bien sûr. FC Nantes forever. Vous voulez que j'aille vous chercher un maillot ou quoi? On a dit un club de foot, pas de danseuse. Eh hey mec, t'habites à Vannes. Ok, donc calme-toi. Ok. Allez. Ça balance les doses. Non, attends, Vannes mon gars. Et vous êtes en quoi? En DH? Un ancien à l'époque de Toulalan à Nantes. Ouais, bon, après, on va pas parler football. Hein. Et une rota de map pour la prochaine saison? J'en ai aucune idée, poulet. J'en ai vraiment aucune idée. J'en ai vraiment pas la moindre idée. Alright. Petite dernière. Je m'en fous, j'habite pas à Vannes. On t'habite pas loin. Petite dernière, les amis. Bon, vous en pensez quoi, vous, alors, là, de tout ça, là? Vu qu'on a bien testé la nouvelle opératrice. Les Canaries, ça se chie dessus. Ok. Je trouve que c'est un peu cheat. Mais à chaque fois qu'il y a un nouvel opérateur, à chaque fois, vous dites la même chose, sérieusement. À chaque fois, vous dites c'est cheat. Florus, il aurait 2 drones explosifs, ce serait mieux quand même. 4 drones, ça fait beaucoup, je trouve. C'est un peu cheat. Attends, elle peut heal toutes les 30 secondes. C'est un peu cheat quand même, Thunderburn. Thatcher, il est... Ah, il est sorti depuis le début. Ok. C'est un petit peu quand même. Non, si. Non, mais là, c'est une Mira portatif sans mur. Ah, qui se défonce à la pack grenade. Oh, mais non. Oh, non, je trouve ça bien, moi je la trouve bien. Moi, je la trouve bien, franchement. À voir après, hein. Faut pas qu'il y ait de glitch ou de trucs comme ça, quoi. Qu'elle soit utilisée de manière un peu squishy, voilà. Un peu sketchy. Oh, we're on Clubhouse, eh? Yeah. Oh yeah, by the way, I cannot do rank tomorrow because I'm going to a little trip on vacation. How long are you going? Where are you guys coming from? For 1 week, I think. C'est des Américains? Nice. Ils ont un accent US? So, send me your Discord and then we can do it later, one time. Mais l'autre? You know? Or you can do it today if you want. Je vais me dire qu'il est dehors. I'm banned. Ah non. How? Team killing? Non, en fait. Yeah. Team killing. Not for team killing. Ah non, pas du tout. Oh. Yeah. Where are you from, TK? I've had four games this season that I've lost. Ils m'entendent pas ou quoi? Secure the bomb. Oh, your Wi-Fi or something else? Nah, it's my PC. There's something wrong with the fan. It's not me constantly playing. C'est des Français. Des Français qui parlent anglais. Oh, il est con. Oh non, j'y ai cru. Oh, arrêtez. Des Français qui parlent anglais. Bon, alors ça... Ça, c'est drôle, quoi. What's your highest rank? It's like... Mine's, yeah, it was diamond, but, you know, in the beginning of this game, you had different ranks, you know. Yes, I'm trying to play here. Can you stop talking about your life and everything? The reason I always get, like, I only get, like... Mais merde, j'avais pas appuyé sur le bouton. Hi, guys, how are you doing? Oh, how are you doing, man? We are doing fine, man. Great. Where are you coming from, guys? England. Oh, la vache. You don't have an English accent. No, you don't. What do you mean an English accent? You don't. You have like where do you think I was from? Like the US. Really? Yeah. Yeah, I can actually... My voice is... what's it called?
it's called a other than a name for it. It's a type of voice that changes depending on how it's going. So my accent naturally just changes. Like Nitro deployed. I'm done, Donovan. They are all in garage. Every on one of them, I think. What? What is that? What is that? Yo, there we go. I got the hatch. I got the hatch. That'll stop me. Nice reinforced hatch, you know? Hi! It's a TV show! Mais non, mais c'est qu'on se pré-shot là! Bah oui! Bah oui, normal! Putain, mais elle est trop bien son arme en fait! Elle tire tout droit! Ce C4! Et derrière toi! T'as Mira? Ouais! Et tout running en fait! Et on peut check par. Ok, laisse. Vas-y, je vais pas regarder ça, J'ai mal à mon R6. Let's go guys, let's win this, I need to win. Why? Because I'm a YouTuber, a French one, very famous, 2 million abonnés. Oh yes. Yeah, like really. And I need it for my video, it's really important. Yes. No, like really. Hello. What? Oui, oui. Yes. Oh, that's Italian. Oops. You don't do that again. Wrong voice. What's it? Putain, il rigole, sérieusement. I'm gonna play pasta. Oh, yeah, pasta from France. Yeah, pasta. Yeah, very known. Nice cliché. Secure the area. Keep the bombs protected. Il est trop con. Il a dit, tu vas manger des pastas. Il arrive à se gourer là-dessus, quoi. T'es français! Allez, pizza! Oui, ok. Non! Oui, oui, les baguettes. Do you want to see my baguette? Tu vois comme quoi ils aiment pas tous le pain au final. Oh, and you can get a charge, thermite charge. Or... Yeah. But you show me with those rotates. Op 4 has located a bomb. Yo, Vigil, come back up here. No! I'm French! Adding my plus one. I like to be alone. Oh, le brain! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le brain! C'est trop bien, ça! Eh, ça, à retenir. Le mec ouvre. Au moment où il ouvre, tu balances ton impact. Du coup, tu sais qu'il va prendre la ligne forcément sur son ouverture. C'est hyper intelligent, au final. Et il peut pas regarder. Il va pas être à un autre endroit. C'est hyper intelligent. Putain, je suis hyper intelligent. J'ai inventé un truc, c'est hyper intelligent. Ça me plaît, ça, d'être hyper intelligent comme ça. I don't have any more. Yeah, I do actually. Where? Wait, come here. No, I can't come back. Go up red. Ok, yes, red. Red is rouge, right? Ok, yes, and what do you want? See that ping? Yes. When they try and hard breach. Oh, you mean when they try and hard breach? It's called denying, I think. I saw it on a bikini body video. Yeah. So now I should do it now. Yeah. Do it now. Okay. Quick, they're breaching now. Oh,
putain, faut que je prenne Oza. Faut que je prenne Oza. Agathe Oza. No. Tu t'aimes, non? Bien sûr. Yo. Bisous. Full shield squad. Yeah, let's go, let's do that. It's very important for my content on YouTube. Yo, gridlock, Yana, you and I ain't no shield. That's kind of weird. Yana, take a shield. Wow, imagine not taking a shield. Wow. That asshole. Yana lost all of her sights, practically. She only has the 1.5 left. We need to locate a bomb. The ARX, but everything else is gone. Yes, I didn't understand anything you just said. Yana lost all of her scopes. Yeah, where are you from, TK? Ah, sorry, I'm from... Yeah, Alzheimer. No, I'm from, Poland. Yes, Poland. Ah, you do have a Polish accent. I knew it. No, but like, where exactly in England? Birmingham. Insertion in 10 seconds. Birmingham. Leeds? Man, they get bullied for that. Do you know that my first car, when I was younger, was given by someone from Leeds, and it was a scarf from the football club, and it was written, me and my dad are Leeds dad. Leeds, I don't, lads. What are we talking about? Yeah. J'ai hâte de faire le compte tout à l'heure. Ils sont trop drôles. I can do my thing, I can do my thing. Et est-ce que tu peux en mettre deux du coup et bloquer totalement l'accès? Non, mais non! On peut juste tester les trucs! Oh, vous l'avez vu derrière ou pas avec le truc? Ça va, ça va être difficile. Avec la pancarte. Oh, le carglass, sérieux. Bon, anyway. Have a nice day, guys. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la big pancarte, sérieusement. Il faut que j'y aille, comme je vous l'avais dit. Merci infiniment Subcorp encore pour les 11 mois de frais de scolarité, c'était bien drôle sur la fin, merci infiniment, vous êtes des putains de monstres, vraiment, merci beaucoup. Il faut que je décolle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve comme d'habitude demain à partir de 15h je pense, enfin aux alentours de 15h, sur le campus de cette Salty Academy. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être du R6, peut-être autre chose sûrement, à voir. Donc à partir de demain, aux alentours de 15h, je pense, ouais, on va faire ça comme ça. D'ici là, vous pouvez faire point d'exclamation Discord si vous cherchez les teammates, point d'exclamation Twitter si vous voulez des infos, etc., etc. Et d'ici là, je disparais de vos écrans et j'envoie ce son derrière moi. Un pas trop fort. Celui qui marque la fin. De cette journée au sein du campus de la Salty Academy avec le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les donateurs. Cheerers. Ast. Membres du Salty Fan Club. Nouveaux et anciens étudiants du campus de la Salty Academy. Les surveillants, bien évidemment. Des personnes comme Alvara Gamer qui nous permettent d'aller to the top et de vivre et survivre. Et de façon générale, toutes les personnes qui font que le campus de cette Salty Academy ira to the fucking top. Et d'ici à demain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'ici à demain, je vous le dis, je vous le répète, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes on est Salty, oui, mais pas que.